Bonsoir à tous. Salut Sixi. Comment ça va? Juste, je m'entends. C'est insupportable. J'arrive vraiment pas à parler quand je m'entends. Pourquoi je m'entends? C'est quoi ce bordel? Sur l'hôtel en train de faire ma routine. Ah, c'est bon là. Oh, tu m'entends toujours? Il y avait une... et je m'entendais. Insupportable. Bien, bien. Bon, très bien, tu fais ta routine alors? Ok, bon, on la fera peut-être après, nous. Ça va en ce dimanche un peu pluvieux et froid? Salut Jeanne, comment tu vas? Salut Serenity, comment vous allez aujourd'hui? Vous m'entendez? On m'entend, ok. Ah oui, c'est vrai que dans Zelda, quand on sauvegarde, on reprend toujours ici. C'est un peu galère ça. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Salut Phantom. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Je vais très bien, j'ai eu le DSI. Ah, super! Tu dois être contente. T'as commencé? C'est trop bien, hein? Hier, je me suis endormi comme une grosse M. Oh, tu t'es endormi parce que t'étais fatigué, c'est tout. Ah, merci Serenity. Merci pour le Prime. Ça fait déjà un mois. Ça fait déjà un mois. Et franchement, le mois, il est passé tellement vite. Incroyable. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci. GG, GG la MIF. Subniversaire. T'as joué à Life is Strange 2. Incroyable ce jeu. Mes jeux préférés. T'avais déjà fait le 1 et, ou le 3 ou autre? Le 2 est incroyable. Je fais du DLC toute la journée, bah, dis donc. Chose promise, chose due, bah oui c'est vrai, tu as dit que tu ferais le Prime chez moi au lieu de chez EMB, c'est ça? Bah merci beaucoup, ça me touche beaucoup, c'est trop bien. Le 3 a l'air nul. Le 3 c'est celui que j'ai le moins aimé, mais j'ai beaucoup aimé. Dans l'ordre, moi c'est 1, 2, 3. Mais le 3, il est pas nul. Il est bien, il est vraiment bien. Franchement, il est bien. Mais il est pas aussi prenant et touchant que le 1 et le 2. T'es sérieux? Bah, merci encore infiniment, Serenity. Azimut, salut, ça fait longtemps, désolé d'ailleurs. Mais j'ai reçu la notif et je suis passé dire salut. Eh bah, salut à toi, merci de passer, c'est trop cool, comment tu vas? Juste désolé si je fais des fautes d'orthographe car je suis dyslexique. Pas de soucis, Jeanne. Ici on se moque pas. En plus on a d'autres dyslexiques. Et y a aucun souci. Ah oui, je crois que lui il veut un insecte. Les gens me dégoûtent, mes parents me dégoûtent, ta petite tête me dégoûte. Et bah casse-toi alors. Vous avez passé une bonne journée alors les patounes? Moi c'était un dimanche quoi. J'ai regardé YouTube, j'ai regardé Netflix. J'ai eu la notification in-game. Ah oui, que j'étais en ligne, t'as vu ça en haut à gauche de ta Switch. Ah ça va très bien, merci. Eh bah super, ça fait plaisir. Ah mais oui, c'est bien ce que je me disais, il y en a une. Mais que de nuit. Dyslexique en force, grave. En force les dyslexiques. Non, en vrai, force à vous. Hein. Après, je réfléchis à quelque chose. Te sub avec Prime, c'est bien beau, mais tu gagnes plus avec les subs normaux, non? Alors, oui, je crois que je gagne plus avec les subs normaux. Mais vraiment, te force pas, vous forcez pas. Un Prime gratuit, c'est trop bien déjà. Oui, c'est sur la Switch, trop bien.
Et du coup, t'as dû voir que j'étais connecté sur Animal Crossing parce qu'à la base, comme hier ça a bugué mon live, j'ai rallumé la console et j'étais en mode Animal Crossing. D'ailleurs, j'étais toujours dans le magasin quand ça a bugué. Ils ont dit bon, c'est bien beau tout ça, mais il serait temps de sortir. Donc ils m'ont viré les jumeaux et les Méli-Mélo et j'ai dû et ça a recommencé quoi. Ce serait pas me forcer, mais plus pour t'aider. Bah c'est adorable. As you want, mais faut faire avec ce qu'on peut faire. C'est ça, sur ACNH. Donc je pense que le mois prochain, je te recevrai de façon normale alors. Et bah c'est adorable, merci beaucoup. Vraiment, les patounes, vous êtes des amours. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous regardez un peu YouTube ou pas? Est-ce que vous regardez McFly et Carlito ou pas? Parce que aujourd'hui c'était une grande journée pour eux. Ils ont sorti la traversée. Incroyable. 1h45, franchement je l'ai regardé, j'ai beaucoup aimé. Mon frère il m'a dit comment tu fais pour jouer à CNH toute la journée alors que c'est lui qui a passé l'après-midi sur Pokémon. Franchement je te comprends tellement plus toi que ton frère. Franchement Pokémon j'ai trop du mal. Salut Ayu, comment tu vas? Ça roule? Informe-toi. Écoute, ça va. Ça va, juste petit dimanche pluvieux, un peu frisquet, mais ça roule. Et ouais, donc du coup j'ai regardé la vidéo de McFly et Carlito, qui est vraiment sympa. Et j'ai fini Arcane enfin. Évidemment, je vais pas spoiler, vous inquiétez pas, mais j'ai adoré. Ah oui, j'ai pas encore les gants. Mais vraiment, Arcane, incroyable. Je viens de finir là, il y a un quart d'heure. C'est vraiment super. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, franchement, je vous le conseille. Hein. Même si vous connaissez pas LOL. Perso, je connais pas du tout LOL et j'ai adoré Arcane. YouTube, je regarde les trucs criminels. De la cuisine, des émissions américaines, des toutous. Bref, aucun contenu de make machin. Make machin? C'est quoi make machin? J'ai toujours pas maté, je regarde des films le soir posés ces derniers temps. Oh bah t'as raison, t'as regardé quoi comme film? Je suis faim. Tout le monde crève la dalle ici. Nous sommes devenus une race en voie d'extinction. Faut nous protéger. Est-ce que j'essaierai pas une voie genre... Ça? Je sais pas, vous en pensez quoi? On ne peut plus entrer dans les carrières de la caverne d'Odongo. Notre garde-manger. On doit alors se contenter de gravir. Et ça, c'est dur. Les meilleurs rochers à la fois nutritifs et délicieux sont la caverne d'Odongo. Mais c'est l'histoire ancienne. Nous sommes tous devenus de vrais gourmets. Il est alors impossible d'avaler autre chose que de la pierre d'Odongo. Je me taperais bien un gigot de caillasse de la caverne d'Odongo. Je sais pas ce que vous en pensez. Mon frère a joué 50 heures à ACNH alors que moi 560 heures. Ah ouais, bah, il y a une diff. Mais lui, il a dosé Pokémon. Il a pris quoi? Il a pris Diamant ou Perle? Un film sur la Première Guerre mondiale, un autre aventure fantastique, un peu de tout. Ouais, t'es éclectique, c'est bien. C'est bien. Moi, je suis plus en mode série en ce moment. Ouais, moi aussi. Bah, j'ai toujours été plus série que film. Hein. Mais vraiment. Un bon petit film de temps en temps, ça fait du bien. Les gars que tu as cités. Ah, Make machin. Non, c'était McFly et Carlito. Ah oui, Mac. D'accord, c'est McFly et Carlito. M-C Fly. D'accord. Non, on n'entend plus rien. Ah, vous entendiez plus rien? Ah merde. Donc quand je change de voix, vous entendiez pas? Ah bah génial. Ça marche bien ce logiciel. Ça c'est pour un gros méchant. Ah bah vous entendiez. Coucou Sarah, y'a pas de SNH. Je commence par Zelda, et peut-être que après, bah regarde sur le titre.
J'ai mis peut-être petite routine pour terminer, on se fera comme hier. J'ai réussi. Si je t'entends, mais mal, genre la voix est trop changée. Ah bah oui, bah c'était voulu. C'était le grand méchant. C'était voulu. Si on entend, c'est juste que c'est tellement grave que c'est pas toujours clair. Ah ok, c'est vraiment très très grave, d'accord. Et alors... Est-ce que celle-ci est mienne ? Écho. Bon, bah, c'est un peu galère, c'est pire. Bon, faudra que je fasse des tests parce que putain, c'est con, j'ai payé la licence, au final, c'est de la merde. Salut dans le chat, comment tu vas ? Effectivement, on entend, mais on comprend rien. Bon, je vais essayer de trouver des meilleures voix. Mais c'est bien qu'on teste un peu ensemble. Après, attention, ça va choquer, mais mon frère a 25 ans, donc normal s'il y joue jamais. Ça va choquer ? Qu'est-ce qui choque ? Pourquoi on serait choqué ? Comment tu fais ça ? Bah, j'ai un logiciel. Tu vois, je peux mettre comme dans une cathédrale. Sarah a voulu qu'on l'on joue à Animal Crossing, mais la vie en a voulu autrement. Ça va malgré le temps pourri. Horrible ce temps pourri, vraiment. Oh là là, horrible. Attends, tu ne serais pas venu manger pour manger notre pierre rouge par hasard ? Dommage, elle est plus là. Tu n'es pas ici pour ça. Tu cherches la pierre ancestrale. Il doit s'agir de la pierre rouge si appétissante qui était là. J'avais si faim, alors je me suis dit, une petite bouchée de cette belle pierre, personne ne le saura. Mais elle avait déjà disparu. Je crois que le chef l'a cachée. Il dit toujours que ça rend les frères complètement dingues de regarder cette pierre rouge par ces temps de famine. La vitesse du texte. Le chef s'est cloîtré dans son antre après avoir dit « J'attends le messager de la famille royale. » Je suis morte. C'est drôle, les bonnes voix sont drôles, pour le coup. Mais il faut que je trouve des bonnes voix. Et mon frère a Pokémon Diamant et aussi épée, d'accord. Et toi t'as pris Pokémon ou pas ? On en parle de ceux qui ont plus de 45 ans et qui jouent, et qui ont plus de 500 heures de jeu. Bah on peut en parler, y a aucun problème, hein. En vrai, faut être choqué de absolument rien. Vous savez que quand je suis choqué, qu'il dit ? On me dit qu'il est trop vieux pour jouer à Pokémon. Bon, lol, regarde ce qu'elle a dit juste au-dessus, Sixi. Il y a aucun mal à jouer à tu sais quel âge a Sixi ? Et tu sais à combien de temps elle joue ? Mince. Les graphismes du jeu sont grave vieux. Ouais bah ouais, grave, il est sorti en 98. Alors forcément... Et celles qui ont plus de 55 ans, exactement. Exactement, faut absolument pas... porter de jugement de valeur dans la vie. Mais ouais, ça c'est un jeu, tu connais, tu y as déjà joué Sarah ou pas à ce jeu là? Parce que c'est, pour moi c'est mon jeu préféré, et je me répète tous les jours, mais c'est un jeu considéré comme étant un des meilleurs. Il est incroyable, mais oui, il est sorti avant ta naissance. J'aime pas Pokémon, je préfère SNH. Ok, c'est vrai que moi aussi je préfère largement SNH. Ah, les bois perdus. 31 ans et 1000 heures de SNH en accumulation de toutes les versions Pokémon, je suis à plus de 1000 heures aussi. Alors bon, quand on aime, c'est tout. Bah t'as bien raison. T'as tout dit, vous avez tout dit, les patounes. Je vois pas où est le problème. 25 ans, c'est encore... Enfin, y a aucun problème, quoi. Oui, je pensais à nous deux, en effet. On est les pionniers des jeux vidéo, c'est clair. Non, jamais, t'as jamais joué? Bah écoute... Si ça te dit de rester un peu et de découvrir, c'est une jolie aventure. Puis c'est pas tant l'occasion de découvrir, mais aussi de continuer à parler ensemble, quoi. Mais ouais, du coup, je vous ai dit, j'ai fini Arcane, incroyable.
J'ai adoré. Il y en a à 25 ans, ils sont plus à plus de 1000 heures de fumette, c'est clair, mon choix est fait. Ah, c'est clair. Oh là là. J'ai jamais fumé. Et je préfère tellement jouer. Bon, par contre, j'ai un souci, je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Je sais qu'il faut prendre des... Il faut prendre des bombes, mais je peux pas encore parce que j'ai pas le bracelet. Et il faut que je fasse du feu, mais je sais pas comment. Donc on va aller parler à des gorons. Bref, c'est que je reste... Of course que j'aime trop TM, même si c'est pas du SNH. Ah. Et bah trop cool, bah t'es le bienvenu, j'aime bien quand vous faites abstraction des jeux. T'es la bienvenue en tout cas Sarah. Et puis on fera un peu d'ACNH pour terminer. Et demain on se fera un peu de dessin, je pense. Je voulais en faire ce soir mais bon, je me suis dit plutôt demain. Après il joue vraiment jamais avec son stage. En plus il est en Belgique, donc je vais devoir ranger les jeux que je lui ai pris. Qu'elle rentre la semaine prochaine, oui, pour pas qu'il me dise que t'as volé de ses jeux, quoi. Chacun choisit sa drogue, exactement. Bon, les jeux vidéo, c'est la drogue. Hein. Mathéo veut partir, je fais quoi? Mathéo, il est super apprécié, non? Toi, tu l'aimes bien ou pas? En vrai, garde-le, non? Pierre ancestrale, cette pierre rouge qui éclaire notre village. Le chef d'Arunia a dû la cacher avant de s'enfermer dans son antre. Depuis, j'ai l'impression que toutes les lumières du village sont ternes. Tout le monde déprime à mort. J'aimerais que tu apportes le feu de l'antre du chef jusqu'ici. Bah oui, mais j'aimerais aussi. Je l'aime trop, Mathéo, je le veux tellement. Ah bah. Bah après, si tu en veux plus. Limite, file-le à Sarah. Salut Paper. Je passe faire un coucou quand je dois aller avec mes parents. Il y a des invités chez moi, j'essaie d'être là quand tu fais du ACNH. Enfin, si tu en fais. Ouais, peut-être qu'on en fera tout à l'heure. Ouais. Ok, bah écoute Paper, bonjour. Et profite bien des invités, même si à mon avis, c'est pas ton kiff absolu. Je sais pas, je décore mon île ou DLC. Franchement, fais un peu de DLC, comme ça tu vas découvrir des nouvelles choses et tu pourras décorer mieux ton île et tu auras plus de meubles et plus de capacités. Joue un peu au DLC, franchement. En vrai, je l'aime bien, je l'ai depuis le début, mais j'ai aussi envie de nouveau. Bah, fais-le partir alors. Fais-le partir. Si tu te poses la question, c'est que... Si t'hésites, c'est que tu le laisserais bien partir. Ça sera demain dans ses cartons, tu le veux vraiment et tu seras dispo pour le récup? Ah, bah voyez ensemble. On y trouve des arbres et des plantes. Tu me parles de quoi là? Ici, il y a bien des choupetteurs. Mais les bâtons mojo, c'est super rare dans le coin. Je connais un truc pour conserver un bâton. Quand il brûle, range-le avec A avant qu'il ne soit trop tard. Au fait, j'ai planqué un bâton quelque part. Ok, DLC. Ouais, bah ouais, franchement, fais un peu de DLC. Hein. Faut que je trouve du feu, mais je sais pas où. Fais pas têter, donc Sarah, tu le prends demain. Bon bah super. Sinon, je vais vous dire. Du coup, faut que je vire un habitant de chez moi. Ah oui, bah oui. Mais ça va être. Tu fais du TT toi, Sarah, ou pas? Si on a jusqu'à 5h du matin mardi pour que tu récupères. Ah oui, c'est vrai. Ah, je sais pas comment faire. T'as fait du DC tout ce matin, t'as fait combien de maisons, Jeanne?
En plus, tu veux virer des gens. Bah alors, vire et prends Mathéo. Super le plan. Oh là là, ce décor. Ok, je dis de partir si ça te dérange pas de t'aider. Je clique. J'aime bien les données. Les habitants ? Ah bah ça tombe bien. Bon, où est-ce qu'il est ce feu ? Ce serait pas mal de trouver du feu. On n'a pas vu du feu, on n'a pas vu de feu depuis tout à l'heure. Après peut-être qu'il faut que j'arrête le gros goron qui roule. Peut-être ça en fait. Je sais qu'il faut que je l'arrête à un moment, mais peut-être pas maintenant. Et comment faire pour l'arrêter ? Faut que je me mette devant lui ? Non, c'est faut que je lui mette une bombe dessus. Je reviens. Mon père veut que je l'aide pour faire un truc. Pas de soucis. On t'attend. Comment tu veux faire pour virer ? Il faut que tu fasses du TT. Il faut que tu, tu prennes... Ah ou alors peut-être qu'il y a juste à rentrer chez lui. Ah si, mais oui, d'accord, ok, c'est bon, je me rappelle. C'est quoi déjà le champ de Sarah ? Ouais, je me rappelle plus, attends. Ah bah oui, berceuse de Zelda. Mais j'y étais. En fait, c'était la berceuse de Zelda qu'il fallait que je fasse. Voilà, comme ça, ça va ouvrir la porte. Après, il va devenir fou, il va danser, il va nous donner le bracelet, etc. Faut téter d'un mois et revenir en arrière d'une semaine ou une semaine. Ah ouais, moi je crois que c'était un mois, puis un jour en arrière, puis revenir à... Enfin, c'est compliqué en vrai, mais... En tout cas, faut téter. Quoi ? Qui es-tu ? C'est toi qui as joué le chant de la famille royale ? Mais tu n'es pas un messager. Tu n'es qu'un nabou avec un chapeau vert. Darunia, le chef des Gorons, mérite plus de considération de la part de son frère de clan, le roi d'Hyrule. Alors là, je suis Furax. Hors d'ici, le gnome. Tu me demandes pourquoi je suis si furieux ? Ouah, t'es mignon, toi. Écoute. Des monstres infestent notre caverne d'Odongo. Notre récolte de choupetteurs est morte. On crève tous de faim par ici. Il n'y a plus un rocher mangeable. Mais c'est notre problème. Cela ne regarde que les Gorons. C'est le roc des arbres et tout ça. Ok, c'est bon, je l'ai, j'ai compris ce qu'il faut que je fasse. Faut que je retourne au bois perdu. C'est bien, au moins je redécouvre un peu le jeu. Parce que comme ça, j'ai pas... Comme ça, j'ai pas forcément à tout faire d'un coup de mémoire comme un robot. Maintenant, je me rappelle de ce qu'il faut faire. Il a dit, moi j'ai besoin de champs, de roc des arbres et tout. Donc faut que je retourne au bois perdu. Tain, tain,
Comment je remonte par contre? Ah, c'est un vrai petit labyrinthe au final, ce village Goron. Donc du coup les patounes demain j'attendrai un tout petit peu que éventuellement le CDI me réponde, mais en fin de journée je pense que je dirais oui au freelance hein. Oh, le village Cocorico est dégueulasse. Bon, après je me suis perdu longtemps. Ah bah ouais, bah c'est bien, au moins on redécouvre un peu. Ok, heureux, j'ai nettoyé la voiture vite fait. Ah, ah très bien, elle était dégoûtante. Cool si t'as pu aider ton père. C'est toi qui avais fait du bazar. Du coup là on va aller au bois perdu. Moi j'ai fait mon repassage en regardant le live. Ah trop bien. T'as beaucoup de repassages à faire. Salut Keepstall. Comment ça va? On s'est juste passé l'aspirateur sur les tapis. Oh, ça va. T'as un repassage, ça existe encore. Et c'est vrai que moi je repasse pas de ouf. Hein. Je suis pas fan. La malédiction des araignées nous a tous transformés. Si toutes les araignées de la malédiction sont détruites, nous serons sauvés. Pour chaque araignée de la malédiction tuée, un symbole apparaîtra. Prouve ta valeur en récupérant les symboles. Le nom affiché près de cette icône sur l'écran du statut indique combien d'araignées de la malédiction furent détruites. Lorsque cette icône est affichée près du nom d'un lieu sur l'écran de la carte, toutes les araignées ont été éliminées. Cherche-les bien à l'extérieur, mais également dans tous les donjons. Bien entendu, rien ne t'oblige à nous aider, tu sais. Brise la malédiction et tu seras très riche. Bah, je suis maudit. C'est tout. Parce que comme j'ai été malade... Ah bah oui, c'est vrai, ça va mieux d'ailleurs. Comment tu vas aujourd'hui? Et comme j'ai vu ça, je fais mes lessives tous les 15 jours. J'ai un mois de frein, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. D'ailleurs, je voulais faire une machine aujourd'hui, j'ai pas fait. Ok, super. Mon frère, devant ce moment... aurait crié juste le fait que les araignées sont mentionnées. Je suis arachnophobe, mais là, bon. C'est une bouillie de pixels, le truc. Moi aussi, lessive toutes les 15 jours. Tous les 15 jours, mais jamais de repassage. Ouais, le repassage, j'ai toujours eu du mal, moi. Dans le sens où, déjà, ça m'ennuie. Et en plus, je très bien ce compte courage, mais moi je sais pas, ça me c'est beaucoup plus classe un habit bien repassé hein. Ça je peux pas dire le contraire, mais juste ça change pas grand chose. Mais ouais, forcément 15 jours de retard, y a de quoi faire. La fièvre est baissée. Mais vu le papillonavirus, ah mince, c'est tout le temps, donc bof bof, il faut avancer. Puis j'aime bien ça, moi, donc voilà. Oui, ça te détend, c'est le genre de truc qui te détend.
Le repassage, c'est rare ici aussi. Ah bah, je suis content. En général, quand je dis que j'aime pas repasser et que je m'en fiche un peu, y a aucun problème, mais souvent on me dit « Ah ouais, moi je jure que par ça. » Déjà, il y a trop de corvées. M'en rajouter une qui est pas foncièrement utile. Tu vois, la lessive, c'est indispensable, mais la vaisselle aussi, le ménage aussi, mais le repassage n'est pas utile. Donc me rajouter un truc inutile, j'ai du mal. Mais encore une fois, je trouve que c'est bien mieux un habit repassé que pas repassé. Oui, ça me détend, blindé, mais il y a moins de gens. Il y a moins de gens qui repassent. Bah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a moins de gens qui repassent. Je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que les matières passent mieux? Après, ça dépend des fringues. Une chemise, par exemple, a besoin d'être repassée souvent. Mais comme j'ai un sèche-linge, ça permet de m'en repasser. C'est vrai. S'il faut une chemise, je repasse, mais bon, faut une occasion. Voilà, c'est ça. Pareil. Mais chez moi, toute la journée, c'est plutôt pantalon de jogging ou legging. T-shirt et sweat, donc pas besoin de repasser. C'est vrai, legging, il n'y a pas besoin de repasser. Ouais. Legging, jogging. C'est vrai que moi, chez moi, pareil, je suis en jogging tout le temps. Après, dehors, je m'habille, quoi. Dans ma classe, il y a une meuf que je déteste. Elle est cas contact au Covid et elle s'est pas testée. Et elle revient lundi et le collège le sait même pas. Ah mince, c'est pas cool, ça. C'est grave même. Est-ce que dans ces cas-là, tu balances ou pas? Je sais pas. Que je vais essayer le TT. Je vais vous dire si j'ai pu vrai quelqu'un. Yes, Sarah, tu nous diras, bien sûr. C'est cool si tu peux récupérer Mathéo. Tu vois, sèche-linge aussi, mais rien à faire. Je le sens pas. Je me sens pas bien dans mes vêtements s'ils sont pas repassés. Ah bah oui, mais quand on est habitué, je peux comprendre. Hein. Elle est très forte, 3 fois dans le 1000. Je me sens obligé de t'offrir un cadeau. Prends donc ceci. Ah bah trop bien. Moi aussi je m'habille dehors. Tu sors pas toute nue. Mais pareil, un jean passé au sèche-linge, pas besoin de repassage. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais y a pas de... Y a no probs. Donc là c'est pour aller à la caverne de Dongo. Link, quel plaisir de te voir. Écoute donc message parole. Après avoir traversé les bois perdus, tu arriveras au bosquet sacré. Ce saint domaine ne fut exploré que par très peu d'aventuriers. Chut, écoute. J'entends un chant mystérieux. Tu devrais tendre l'oreille à ton tour. Ouh. Veux-tu que je répète tout ça? Non. Sois courageux, et la forêt ne te posera pas de problème. Fais confiance à tes oreilles. Dirige-toi grâce au son de la forêt. J'ai cru que c'était Ashok qui parlait. Bah c'était elle. C'est totalement elle. Moi je balance direct si pas testé. Les gens mettent les gens en danger. En vrai je suis d'accord, mais je sais pas ça m'est jamais arrivé. Mais oui. Pour le coup, clairement. Et si tu sais bien étendre ton linge, tu as pas besoin pour un jean. Idem. Puis j'achète des fringues pour sortir sans besoin de repasser. Non mais oui, bah, au final, on est pareil. Hein. On est complètement pareil. Non, sinon je vais passer pour la balance, toute la classe le sait, et personne ne veut passer pour la balance. Ah bah oui, bah alors... dans ces cas-là, mettez-vous d'accord toute la classe et vous allez à plusieurs. Vous allez à plusieurs voir la prof. Genre vous vous dites ok, on y va toutes et tous, si tout le monde est au courant.
Je crois que c'est tout droit. Ah. Et là, c'est à droite. Non. Gauche. Ouais. Et là, c'est à droite. Ouais. Voilà. C'est marrant de se rappeler de ce genre de truc. Donc là, il va y avoir... Bon, je vais arrêter de spoiler, mais... Voilà. Les deux. Enfin, de spoiler. Ah oui, il se... La bouillie de pixels, c'est chaud quand même. Quand est-ce qu'il claque ? Ah. Ouais, mais le pire, c'est que cette meuf est une grosse mytho, donc personne ne veut le dire. Car on peut avoir des problèmes si c'est faux. Ah, ça se trouve, c'est pas vrai. En gros, elle vous a dit à toutes et à tous qu'elle était qu'à contact et qu'elle était fière de venir. Ouais, super. Putain, on est vraiment... On vit vraiment dans un monde... On vit dans une société. Les gens qui veulent se mettre en danger, c'est leur problème. Il faut arrêter de penser qu'à sa tronche. On a tous des proches et on ne peut pas savoir si une ou deux personnes arrivent dans la fin. Exactement. Mais... Ah oui, mais c'est vrai, au pire, je peux réutiliser mon bouclier normal. Non, mais t'as bien raison, Serenity. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il y a... J'ai... Là, tout à l'heure, il y a ma mère qui m'appelle. Et qui me dit, ouais... Il y a ton cousin qui devrait passer pour venir dormir à la maison, etc. Mais genre pour ce soir, alors que la maison elle est pas prête du tout. Et mais sinon il aurait pu aller dormir chez ma grand-mère, qui est juste à côté. Et mais le problème c'est qu'on ne sait pas s'il est à risque ou pas. Du coup on n'a pas envie de le laisser aller chez ma grand-mère, donc il va venir dormir chez moi. Enfin pas vraiment chez moi, mais dans la maison où je suis. Mais le problème c'est qu'il nous prévient quelques heures avant, quoi. C'est galère. Mais on voulait pas le laisser aller chez ma grand-mère, quoi. Ouais, donc voilà, car peut-être qu'elle a juste un rhume. Je vais dire tout à l'heure. Ouais, c'est galère quand même, ton histoire. Hein. En vrai, je sais pas, avant d'aller voir la prof, aller la voir toutes et tous. Et peut-être que vous pourrez... voir ce qu'elle a. Les gens qui veulent mettre en danger. Ça, tu l'as dit. Okay. Dorian, je viens d'apprendre que Gédal s'est installé à Nantes. Oui, j'ai vu ça sur Instagram. Par contre, ça fait un peu loin pour moi, mais c'est cool. Tu habites près de Nantes? Et d'ailleurs, ils ont dit... ils ont fait un jeu de mots, je crois, avec Nantes, qui m'a fait bien rire. Gédal, il s'installe partout, c'est impressionnant. Voilà. Goûtez enfin nos recettes à Lucie, Nantes. Ah bah trop bien dans le chat, trop bien. Je savais pas que t'étais vrai là, mais ils s'installent partout là. Ils sont installés à la base, il y a dans une autre ville que chez moi, pas trop loin. Et j'ai appris il y a une semaine ou deux qui s'étaient installés dans ma ville. C'est fou, ils sont en train de vraiment tout déchirer, quoi. C'est trop bien. Mais je savais pas que tu connaissais Végédal. J'habite en Loire-Atlantique, à mi-distance entre Nantes et Rennes. Bah, si un jour t'as la foi d'essayer d'aller tester, franchement, ça vaut le coup. Mais si t'y vas, teste plusieurs choses. Teste le Big V et teste le fish. Le fish est impressionnant. Et puis, bah, les burritos, etc. Enfin, teste tout ce que tu veux, mais vraiment fish et Big V.
content que ça se démocratise de plus en plus, c'est génial. Vraiment le genre de gens qu'il faut dénoncer sans se poser de questions. Ses parents seront mis au courant si c'est vrai et elle sera testée si c'est faux, elle sera engueulée, sera bien fait. En vrai, je suis grave d'accord avec Serenity, Jeanne. Je suis pas vacciné, je préviens les gens de cela. Bah, t'as raison. Je sors pratiquement pas de chez moi. Si je sais que je suis qu'à contact, je m'enferme encore plus. T'as raison, faut pas mettre les gens en danger. Hein. Oui, mais je vais vraiment pas passer pour la balance et si c'est faux, je vais pas me prendre un truc carbone. Mais tu te prendras rien. Si c'est faux, bah tu diras que c'est elle qui l'a dit et que toute la classe est au courant. Allez, faites tous en même temps, encore une fois. C'est pas pour un truc grave, ok, mais là ça peut être dangereux pour l'entourage, ça peut même être dangereux pour toi. Si tu l'attrapes et que t'es pas symptomatique et que tu vas voir tes grands-parents ou tes parents qui sont fragiles, eh ben qu'est-ce que tu fais après? Non, j'avoue, moi je balancerai. Hein. 60 km de Nantes. Bon, bah si un jour tu vas à Nantes, voilà. Bon, j'assume, t'as raison, hein, si, faut assumer ses choix. Hein. C'est ça que je voulais vous dire d'ailleurs hier, puisqu'on est en plein dedans. C'est que le seul truc avec le boulot, les deux boulots que j'ai, c'est que je suis pas vacciné moi. Et que à mon avis, ils vont me demander. Enfin, je vais être amené à devoir réfléchir à ça. Et ça me saoule. Mais bon, il va falloir que je trouve une solution. Qui veut des tomates? Aucun rapport. Tu passes du Coca Light. Bah moi j'en ai. Mais s'il y en a d'autres dans le conglomérat qui en veulent, conglomérat de Patoun, ça faut vraiment que je change de bras. J'ai mis un bras une meilleure qualité dans mon panier Amazon, j'attends de voir pour le Black Friday s'il baisse. Je t'attendais, Link. Nous sommes ici, dans le bosquet sacré. C'est mon jardin secret. J'ai le sentiment que cet endroit sera très important pour nous. J'en suis sûr. Joue de l'ocarina ici et tu pourras parler avec les esprits de la forêt. Mon temple préféré derrière. Incroyable. Veux-tu jouer de l'ocarina avec moi? Oui. Essaie de suivre cette mélodie. Tu es prêt? N'oublie jamais cette mélodie. Tu me le promets? Entonne le chant de Saria si tu as besoin de me parler. Attention, la tête de Link. Là, je suis dans la partie quand j'ai tété un mois et personne ne veut partir. Donc je dois reculer de 7 jours. Non, de 1 jour, je crois. Un jour. Et normalement, ça ira. J'ai travaillé, aucun souci. De plus, c'est pas une profession à risque, donc normalement, pas de souci, ça les regarde même pas. Non, mais j'avoue, mais bon, si je suis amené à faire des soirées ou quoi, ou suivre des gens dans des événements. Elle peut arriver à dire à la classe, de dire à la CP, tous ensemble, c'est mort, ils vont pas me défendre si chacun dans sa merde. Putain, voilà, c'est le problème avec les jeunes. Et je ferme le jeu en sauvegardant ou pas? J'ai jamais tété, je veux pas dire de bêtises. Je viens de recevoir un courrier sur le site d'Amélie aujourd'hui pour la troisième dose. Ah. Et toi, tu t'es vacciné ou pas dans le chat? Blonde, j'ai oublié l'hyroïde. En vrai, c'est pas très grave. Tu en as un peu tous les jours, donc ça va. Mon père a des problèmes de cœur, il l'a eu en 2020, depuis il est très fragile. Bah Jeanne, tu donnes le bâton entre guillemets pour te faire battre. Pour le coup, là, pour le coup, il faut absolument. Il faut absolument que tu balances. T'imagines, tu l'attrapes et t'es asymptomatique et tu le refiles à ton père qui est fragile, qui l'a eu et qui a des problèmes de cœur. T'imagines ça? Eh ben, au pire, si c'est faux, eh ben, t'es puni. Eh ben, c'est mieux d'être puni que de mettre la santé de ton père en danger. Au pire du pire. Mais tu seras pas puni pour ça. Un test PCR suffit moins de 72 heures. Ouais, mais le truc, ouais, bon, enfin bon, ça va être quand même plus compliqué que 50. Bah, c'est ça aussi, 50 euros le test PCR. J'ai pas envie de faire 50 euros à chaque soirée où je vais. J'ai mes deux doses à 3ème, devrait être début janvier. Ok, pas de souci. Et la 4ème, début mars. Et la 5ème.
Mais ouais, enfin, bon, bref. De toute façon, c'est secondaire. Je verrai en fonction. On verra dans un second temps. Mais ouais, vraiment, Jeanne, il faut vraiment que tu... Il faut vraiment que tu balances. Je suis désolé là, mais tu nous avais pas dit que ton père était fragile. Il faut que tu balances, c'est pas possible. Enfin là, 5 euros. Ben. Oui, ça c'est un antigénique. Sans parler de ma santé, mais entre ma mère 92 ans en EHPAD et l'an dernier mon ex en chimio. Ah ouais. C'est fou, elle sera même. Sera même pas punie que du contraire. Ah, c'est compliqué de toute façon tout ça. Mais mon père est vacciné, mais quand même, de toute façon, les profs ne le savent pas et vont lui demander, donc elle aura pas le choix de le dire. Ah bah voilà. Mais alors, par contre, enfin, je veux pas faire le gourou ou quoi, mais vacciné ne veut pas dire qu'il peut pas l'attraper. Hein. Ça, j'espère que t'es au courant. Hein. Même avec le vaccin, tu peux attraper le Covid. Voilà, Sarah, merci. C'est vacciné, c'est juste pour. Enfin, juste. C'est pour éviter les formes graves et encore, je veux pas me lancer sur ce débat-là, mais moi j'ai du mal à rentrer dans le jeu du vaccin. Mais c'est pas parce qu'il est vacciné qu'il peut pas l'attraper. Surtout s'il est fragile et tout. Et qu'il a des problèmes de cœur. Le pire, elle mitait au prof, la classe va le balancer au prof. Bah c'est ça, au pire. Oui, si la prof demande devant tout le monde et qu'elle dit non, je l'ai pas, et ben là, tout le monde vous sentirez pousser des ailes, à juste titre, et vous direz, mais qu'est-ce que tu racontes, t'es une mytho. C'est le souci de ce vaccin, il est expérimental. Exactement. C'est pas, entre guillemets, un vrai vaccin. C'est expérimental et voilà. Mais bon. J'ai pas spécialement envie de parler de vaccins et tout ici, on peut parler de beaucoup de choses, mais vaccin c'est tellement un truc chaud. C'est pour le vaccin, tu peux le rattraper. Bah c'est ça. Non franchement, il faut absolument. Si elle est qu'à contact et qu'elle l'est. Merci pour le follow. Je peux pas écrire. Ah bah écoute. Bah, du coup tu peux écrire. T'as mis yo. Comment ça va ? Vaccination ne veut pas dire arrêter des gestes barrières et faire n'importe quoi pour le moment. Exactement. Et c'est le problème avec pas tout le monde, je généralise pas, mais avec beaucoup de vaccinés. Ils se croient invincibles. Et ils arrêtent les gestes barrières et tout. Moi quand je suis... Récemment je suis allé quelque part, ils étaient tous sans masque, j'avais mon masque, moi ils étaient tous sans masque, donc j'imagine qu'ils étaient tous vaccinés parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient plus aucun risque. Mais bon. Sinon, on est juste protégé sur l'effet Covid quand on le fait, c'est juste moins fort. Voilà. Waouh, j'avoue que j'ai du mal à te lire. Je peux pas écrire. Saria Tatel. Attendez. Saria Tatel a pris une chanson. Cette mélodie semble avoir de mystérieux pouvoirs. Tu apprendras sûrement d'autres chants au gré de ton périple. Utilise ton ocarina avec les boutons C au bon endroit et une portée apparaîtra. Je te conseille alors de jouer un chant que tu connais. Je te conseille aussi de jouer, même si la portée n'apparaît pas. Comme ça. Out, 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 out. Veux-tu que je répète ? Absolument pas. Les mélodies que tu apprendras seront enregistrées dans le sous-menu du statut. Merci, GB. Bref, on marche sur la tête, c'est tout. Ah oui, en ce moment, on marche grave sur la tête, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Sarah ? C'est Marina qui veut partir. Sarah, t'es encore avec une bonne commune qui veut pas imposer ses choix. Grave, ça fait plaisir de pouvoir parler entre vaccinés et non vaccinés. Et il y a personne d'anti-vax et de pro-vax, et c'est trop bien. C'est pas parce qu'on n'est pas vacciné qu'on est anti-vax, et c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on est pro-vax. Regarde, ça fait déjà 10-15 minutes qu'on en parle, zéro prise de dette avec les pour et les contre, et ça c'est beau. Franchement, je tiens vraiment à corroborer tes paroles. Merci les patounes d'être une commu en or. C'est vraiment, je peux parler de véganisme, de tout, de machin, de trucs qui posent problème, de religion, de sexe, de ce que vous voulez, mais le vaccin c'est tellement devenu la merde quoi.
Personne ne veut de mes tomates. On veut pas tes tomates, nous on veut parler du vaccin. T'as pas compris ça, Sixi? Je balance avec la caisse de main si elle mytho. Bah c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Courage pour ça si jamais vous avez à le faire. Mais pense à ton père. Il étoile. T'as une île étoile? Ah GG. GG. Enfin, c'est pas toi qui as choisi, mais propre. Je pense que cette petite commune est assez intelligente pour discuter tranquillement même du vaccin. On est bien d'accord. Et même les jeunes et tout, donc ça fait bien plaisir. C'est vraiment super. Et même du cucu et des chochos. Exactement. Des cucu et chochos. Grave. Ah, c'est compliqué quand même cette situation de vaccin, pas vaccin, vaccin, pas vaccin. Je pense que moi, à mon âge, j'en ai pas besoin. Statistiquement parlant, j'en ai pas besoin. J'ai plus peur, pour tout vous dire, j'ai plus peur des potentiels risques que j'aurais à prendre ce vaccin, parce que ça existe, les risques. Puis de toute façon, moi j'ai peur de beaucoup de choses et que du Covid, parce que je me sens pas invincible, mais à mon âge je pense que ça peut aller. Mais j'ai juste peur pour ma grand-mère. Si jamais ma grand-mère sort pas, on fait grave attention quand on va chez elle, on s'éloigne d'elle. Voilà, c'est pas la saison des tomates. Exactement, on n'en veut pas tes tomates. Si c'est bon. Non mais en vrai prends-les et fais-toi un gigapotager. Au pire, Jeanne, fais une lettre à la CPE, tu lui envoies un mail. Ah oui, vous pouvez faire un truc, je sais pas si c'est ce que tu vas dire, mais au pire, tu peux faire un truc anonyme. Ça fait un peu collabo, mais tu peux balancer anonymement. Tu lui envoies un mail sur l'ENT ou l'école directe, je sais pas ce que tu as. L'intranet, c'est ça. Il veut pas citer ton nom. C'est ça. Grave. Vraiment, si c'est mon père, je vais prendre la parole. Et si elle dit non et que mon père est malade, elle va payer les prix. Ah non, mais elle, ça pourra pas être le cas. Parce que tu diras non à temps. Déjà, tu t'approches pas d'elle. Surtout pas. Et en plus de ça, demain, c'est réglé. Demain, si elle dit qu'elle a le Covid, c'est réglé. Et si elle dit qu'elle a pas le Covid... si elle dit qu'elle est qu'à contact, c'est réglé. Et si elle dit qu'elle est pas qu'à contact, et ben vous balancez. C'est bon, ça va. En vrai, t'es même monté plus en pression pour les essuies de bain que le vaccin. C'est ça, c'est grave, grave. Oh, les essuies, c'est vrai. Ah, je m'en rappelle. Non, mais parce que ça m'a saoulé, vous vous tiez de ma gueule parce que je connaissais pas, et alors que j'ai jamais entendu ce terme de ma vie. Mais c'est vrai, les essuies, ça me trigger plus que le vaccin. Sinon, vive Zelda, hein. Clairement. Est-ce qu'on tente Ouais, on tente. C'est quoi un essuie-bain? Ah bah merci, Dancha. Mais Dancha, t'es pas belge? Soi-disant, selon des personnes qui se disent humaines, le terme essuie correspond aux serviettes de bain. Alors, vu que ces personnes savent que le mot serviette de bain existe, pourquoi elles s'obstinent à utiliser le mot essuie que personne ne connaît? Ces personnes qui se disent humaines, j'ai du mal à comprendre, mais bon, je l'entends. Merci Jean de me donner conseil. Ah non mais là c'est pas conseil, c'est ton père. En plus, déjà avant même de savoir que ton père était fragile, on te disait de le faire. Là ton père est fragile, c'est absolument. J'avoue, c'est quoi un essuie bain? Mais je vais meurtre, ça vient. C'est quoi déjà? Non. Attends.
C'est ça, c'est des patounes belges. Alors là, attention, il va devenir fou. Mes arrière-grands-parents paternels n'ont jamais connu. Si c'est un terme belge, ok, chaque pays a ses façons de parler. Parce qu'en Belgique, on dit toujours essuie de bain. Ah oui, je suis allé en Belgique, il y a des gens qui le disaient. Non, mais c'est. C'est comme le la wasang. C'est quoi la wasang? Vous allez encore me sortir un truc pas possible. Grave. Mais en fait, non, mais moi, ça me pose aucun problème que chacun ait son dialecte, son patois ou quoi. Mais c'était sur le coup, je crois sincèrement me rappeler que toutes les Belges du chat m'en voulaient de ne pas connaître ce terme. La serpillière. Vous dites wasang pour serpillière. Ok. Mais alors, vraie question, encore une fois, si vous savez que wasang correspond à serpillière, pourquoi vous dites pas serpillière? C'est une sorte de fierté, de dialecte, sans animosité, vraiment. Hein. C'est parce que vous dites « je suis belge comme ça ». Ça, je sais pas non plus pour le coup. Ah, tu connaissais pas la wasang? Ma déprime vient de s'envoler. J'ai eu tout d'un coup envie de danser, comme un méga dingue. Mon nom est Darunia. Je suis le chef des Gorons. Je peux faire quelque chose pour toi? Pardon? Tu veux la pierre ancestrale du feu? Bah voyons. La pierre ancestrale du feu est notre trésor secret. Nous l'appelons le rubis Goron. Mais si tu la veux vraiment, tu pourrais peut-être nous rendre un service. Peux-tu détruire les monstres de la caverne d'Odongo? Ainsi, nous aurions de quoi manger. Je suis prêt à donner n'importe quoi à notre sauveur, même la pierre ancestrale. Tiens, prends déjà cet objet. Il te sera certainement utile. En l'utilisant, même un petit gars comme toi pourra déraciner des choupetteurs. Avec A. Ah bon, t'as bien troll sur le super. Ah oui, clairement. C'était troll powa. C'est du patois du Nord plutôt, mais c'est comme tous les patois ou langues, c'est une question d'habitude. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Wasang, c'est un dialecte flamand. Du coup, par chez moi, ça se dit pas. C'est drôle, je connaissais pas du tout ce terme. Moi, c'est ma mère, mon prof dit un horaire, moi je dis une. Ah bah. Le problème, c'est que ton prof a raison, pour le coup. C'est un horaire. mais d'accord, chacun ses petits combats. Le problème, c'est que là, il n'y a aucun doute, quoi. Enfin, je dis pas qu'il y a des doutes avec Wasang et Essuie, mais vous avez compris mon état d'esprit, quoi. Vous pouvez désormais soulever des choupetteurs. Appuyez sur A. Une heure, un horaire, c'est ça. Ah bah voilà, il y a du feu. Voilà, tu vas faire quoi maintenant? Bah non, une horaire. Toute la classe dit une. Ah non, mais toute ta classe a tort. Je rêve. J'adore. En plus, tu nous confirmes. On dit un horaire, Jeanne. Regarde sur Wikipatoon. Regarde sur Internet, on dit un horaire. C'est bien un horaire et une heure. Là, c'est du dialecte, c'est une heure de français. Toute la classe à faux, exactement. Non, non, pour le coup, vraiment. Putain, j'ai. J'aime bien. En plus, elle dit. Ah non, non, on dit une horaire. Hein. Toute la classe dit une horaire. C'est comme l'argent au féminin.
ou l'air, l'air respiratoire, enfin l'air qu'on a autour de nous. C'est des erreurs qu'on fait. On dit une argent, enfin même si ça se dit pas un argent non plus. Mais on dit beaucoup font l'erreur de dire ton argent, elle est où? Elle est où ton argent? C'est il est où ton argent? C'est masculin. J'aime trop. Bah toute la classe dit une, donc c'est une. Et je crois que j'ai mal orthographié faux. Ah. Ouais, vous m'avez perdu là. Pourquoi tu dis ça et pourquoi Jeanne tu redis ah oui une horaire? Attends, tu dis qu'en fait toute la classe dit 1 et ta prof elle dit 1, c'est ça? C'est le contraire en fait? Mais je savais que j'allais... Pas compris. Moi je dis elle est où ta thune? Oui, la thune. La thune, ok, ça me va. La thune, je suis ok. Comme ça, on peut retourner au bois perdu. Non, en fait, non. Que j'allais avoir tort. Elle est où la moula? C'est ça. Elle est où la moula, gars? Ah, y a beaucoup d'erreurs de français au quotidien, mais bon. Pas non plus très grave, mais faut en avoir conscience. Y a pas quelqu'un qui était prof là dans les patounes? Je m'en rappelle plus. C'est exactement ce que j'ai écrit. La moulaga. C'est que l'ose pile devant lui. Je sais plus ce qu'il nous apporte lui. Bah, quand tu m'as arrêté, pas ici. Non, pas ici. Tu peux pas faire ça. Les roues, les boulets sont ma seule raison de vivre. Ça me calme les nerfs. Respecte mes roues, les boulets. Écarte-toi que je roule un peu. Bon, bah, roule boule alors. Toujours sur les mêmes ondes. J'avoue qu'il y a une conscience collective féminine. Vous avez vu hier d'ailleurs, il y avait il y avait des rassemblements pour les femmes. Nous toutes et tout. À Paris, il y a eu un giga cortège. Et je voulais dire un horaire. Et même mon correcteur a écrit comme ça. Ah. Salut Bou, secrétaire dans une école. Ah oui, toi t'es secrétaire dans une école. Mais il y avait une prof aussi, je crois, non? Une ancienne prof. Lui c'est pour la quête du bigoron. Je travaille sur un truc vraiment costaud. Mais ça va me prendre du temps. Reviens, disons, dans 5 ou 6 ans. Bon, ok. On reviendra plus tard. Ça va, Bou?
En plus, je crois que ça valait même pas le coup. Ah si, peut-être, attends. Ancienne prof, ça me dit rien. Ouais, non, mais alors j'ai peut-être halluciné. Après, c'est pas dit, hein. Vous savez, moi, je suis un fêlé, moi. Pas sûr. Génial. Ah, si ça a marché. Est-ce que je vais avoir assez de temps pour ça? Pas sûr. Eh ben, grosse dédicace à Baptiste. T'as le sang de la veine. Dédicace de boue. Mais t'en fais quoi toutes ces dédicaces? Le mec il vient que pour faire des dédicaces. Repassage fini. Je m'auto-GG. 2h30 pour un mois de fringues. Mais non mais vraiment, 2h30. C'est-à-dire que t'as commencé, on était encore dans le milieu d'après-midi, et là on est déjà le soir. Franchement, mais j'ai un respect immense pour toi. Je... C'est chaud. Promis, le clap-clap est apparu pile quand j'ai exposé le truc. Tu es une warrior, mais je te laisse. Non mais grave. Tellement, franchement. 2h30 de repassage. Listen! Prends garde aux nombreux puits de lave. Et c'est tout. Et mon rôti est déjà au four. Ah oui, ah mais c'est vrai qu'il est 18h11. Ah, mais tu vas manger tard aujourd'hui. Ouais, mais c'est dimanche, ça va, tu peux manger à 18h30. Tu peux souper à 18h30, ça va. Maintenant que t'as fait le repassage, la wasing, et que... Non, maintenant que t'as repassé tes essuies et que la wasing est passée, tu peux souper à 18h30. Ça va, franchement. Je m'étouffe de rire. Je vais dessiner, mais je reste là. Ok, tu vas dessiner quoi? Trop bien. Demain tu balances. Hein. Demain, on compte sur toi, t'es une grosse balance. Hein. Vous mangez tôt, vous. Ah non, mais, non, non. Non, non, mais c'est juste Serenity qui mange tôt. C'est juste Serenity qui mange à partir de 18h. Il est content. Ah oui, bah oui, ça me fait rire. J'ai réussi à parler belge. Sans accent, mais je suis content de moi. J'ai pris vers 19h. Oh, c'est comme la grasse matinée de Bobo le dimanche. Grasse matinée de Bobo le dimanche, c'est 8h30. On fait comme ça.
Et en Belgique, on mange à 18h, ça me fait bizarre. Bah, c'est ça, c'est ça qui me fait rire. On parlait de ça avec, à l'instant, de Serenity, quoi. C'est vrai que les Belges mangent très tôt. C'est le bon Dieu qui t'a puni, grave. C'est pas bien de se moquer. Tu manges à quelle heure, toi, Ayou? T'as pas d'heure donnée. Mais pourquoi elle décoche pas? Ah bah si, elle décolle. Voilà. C'était le délire. 19h30, 20h ou 21h. Bah oui, moi j'ai vraiment aucun horaire. Aucune horaire. J'ai aucun horaire parce qu'en fait c'est au feeling, quoi. Mais c'est bien des fois d'avoir d'organiser un peu. C'est bien. T'inquiète, je balance et je dessine des chats, des persos SNH. Trop bien. Trop bien. Tu dessines depuis longtemps? Si tu veux nous mettre tes dessins sur le Discord dans Art et Création, n'hésite pas. Hein. Attention, Serre, on a tous des accents. Ah, on va se relancer là-dessus alors, sur les accents. Mais moi aussi, grosse matinée de ce matin, 8h30. Grasse matinée. Mais non, mais toi aussi, tu te lèves tôt et pour toi, 8h30, c'est une grasse mat. Après, il y a des gens qui sont du matin. Hein. Et je comprends, la sérénité du matin est très agréable. Le calme, avant la tempête de la journée, des informations, des événements, des trucs, du métro. Je comprends, hein. Mais je suis pas du matin. Vous levez à quelle heure en général, les patounes? Moi, si je pouvais me lever à 13h tous les jours, je le ferais. Hein. Mais juste, je me force à me lever. En gros, je me lève vers 10h30 chaque jour. Mais là, si j'ai un taf, ça va être différent. Oh. Si j'ai un taf, vous allez voir mon évolution de fatigue. Ça va être. Et pour manger à 18h, il faut venir de bonne heure. Quand je bossais, je finissais au plus tôt à 18h, j'étais à 30 minutes de chez moi. Bah oui, bah du coup, déjà, tu rentrais pas trop tard. Et encore, j'étais réveillé à 7h30, mais je suis resté une heure au lit. Et donc, t'as un peu craqué, quoi. Tu t'es dit, allez, je suis une fofolle. Moi, je suis de nuit, pas du matin. Je passe sur l'ordi. Ok, à tout de suite alors. On n'a pas tous. Ah, pas. Non, mais c'est fou, hein. C'est fou. J'ai vraiment un problème avec les pas. J'ai vraiment un problème. Ça me sidère. C'est encore une fois ma maladie du pas. Mais ça, vous le verrez très souvent. Hein. Ça se vérifie au moins une fois par jour. Hein. Je comprends pas. En ce moment, je traîne au lit, donc je me lève vers 11h midi. Oui, voilà, moi, à peu près pareil. Bon, surtout le dimanche. Hein. Je suis sorti de mon lit, il était 14h. J'ai regardé YouTube et tout. Puis j'avais Tokyo, donc forcément, ça me donne envie de rester. J'ai signé, je sais pas combien de temps. Et c'est pas Discord, ah oui. Ah oui, c'est toi que tu nous disais que tu pouvais pas aller sur Discord, c'est ça? Pas de problème. Semaine 6h et le week-end 7h30. Après oui, si on est habitué à se coucher, à se lever tôt, en semaine, forcément, le week-end, c'est difficile de se coucher, de se lever plus tard. Je suis réveillé même. Ton corps, il est habitué, c'est normal. Alors que je me recale, moi, si j'ai un taf. Je sais pas comment je vais faire. Après, de toute façon, le corps, il y arrive. En vrai, on dit... Oh non, c'est trop chiant. En plus, ils sont archi compliqués à battre. Enfin, surtout avec surtout avec 4 cœurs et avec le... La maniabilité. Par contre, ouais, un truc bizarre, c'est que je me réveille vraiment tous les jours à la même heure, quoi.
10h30. C'est des cycles d'une heure et demie, quoi. Et il m'attend. Putain. Après, j'ai une fée au pire. Yes. On est bien. Bouge. Ah. Voilà, tu vas faire quoi? Hein? 11h midi? Je saurais pas. Après, je vous envie clairement, hein, mais je saurais pas. Bah ouais, bah c'est... C'est quand on est habitué, encore une fois... Je t'étais depuis tout à l'heure et personne ne veut partir. Mince, je saurais pas te dire comment faire, hein, vraiment. On vient d'où? On vient de là ou là-bas? Je sais pas, il y a une personne que je... Je peux pas avoir Discord, mais si je veux, je peux l'avoir. Mais mon père m'a mis un truc où il faut que je lui demande. Ouais, c'est ça. Ce que tu nous avais dit, je crois. Je reste dans l'histoire, regarder stream YouTube, à lire, mais souvent je suis pas endormi à 4h. Bah c'est ça aussi, bah, si tu te couches tard forcément. Mais ouais, moi je reste au lit. Je peux, si encore une fois, hein, je l'ai déjà dit, hein, mais si j'avais pas d'impératif, je resterais au lit toute la journée. Franchement, bouquin, série, jeux vidéo, Tokyo, bah, ça me va, hein, mon lit c'est bon. Car j'ai un iPhone, donc c'est facile pour mon père de le contrôler. Ah bah oui. Faudrait demander à Marie, elle sait bien le faire. Ou pas peur. C'est vrai que les deux savent bien, ouais. Mais elle a pas Discord. Il faudrait que, du coup que Marie ou pas peur passe. Moi je passe ma vie dans mon lit. Bah alors, toi pour le coup, Sixi, c'est compréhensible. Et dans le chat aussi. Mais mais je veux dire... Ah, c'est pas ça qu'il fallait faire. Si. C'est pas ça, je sais plus comment. Taper la queue. Titre. Moi, vers 2-3 heures du mat, mais rien y faire. Faut que je me lève, même si je fais pareil YouTube, Twitch, redescends dans le salon. Oui, il y en a plein qui ont du mal à rester dans leur lit et rester à rien faire. Mais je comprends, hein. Je comprends tout à fait l'idée de avoir l'impression de gâcher sa journée dans le lit. Mais moi, vraiment, moi j'assume. Si je pouvais passer la vie dans mon lit, je pense que je le ferais. Non, alors peut-être pas, parce que quand même, des fois, ça fait du bien de sortir, de faire des trucs ou quoi. Puis il faut s'activer quand on a la possibilité. Mais... Je fais peut-être une erreur, là. En les tuant. J'ai besoin de feu. C'est mon sanctuaire. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes. Le tu m'a dit qu'il fallait têter un mois et un jour en avant, puis revenir à la bonne date. Bah voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je sors de ces derniers pour Nimbus à 15h, j'y retourne quand je vous dis cocooning. Ok. Donc tu restes de 15h à cocooning. Non, personne passe sa vie dans son lit, on est des exceptions. Bah c'est ça. C'est que moi je dis ça... Je dis ça parce que dans un monde idéal. Et puis en vrai, je pense que si vous pouviez ne pas passer votre lit dans votre vie, vous le feriez. Et que les mecs comme moi qui disent qu'ils aimeraient bien sont ridicules. Mais voilà, s'il n'y avait pas d'impératif et qu'il n'y avait pas de pauvres gens qui sont obligés, je le ferais. Voilà. Enfin, je profiterais, quoi. Bah vas-y.
Comment ça marche? Peut-être qu'en fait, il faut que je les tue tous. Et que du coup, je vais avoir une... la porte qui va s'ouvrir. Ça, c'est des bébés dodongo, hein. Clairement, hein. C'est rien passé. Rina veut partir, le plus beau jour de ma vie. Ah, trop bien. Content, je l'aimais tellement pas. Bah voilà, bah du coup comme ça demain tu pourras récupérer Mathéo. Ma mère se réveille à 5h du mat, elle est en dehors de son lit vers 9h, mais bon, elle fait des nids de souris pendant 3-4 jours quand elle est naze. Bah, c'est le problème, ouais. Je passe tout le week-end dans mon lit. J'ai de la place. On peut mettre 6 personnes dans mon lit, j'ai déjà testé. 6 personnes, mais il est immense ton lit. Je passe pas ma vie dans mon lit, mais plus sur mon canapé. D'abord, ma Switch est branchée sur la télé, dans le salon, donc faut bien que je me lève. Ah oui, bah c'est un petit piège que tu t'es tendu à toi-même pour te forcer à te lever, c'est ça? Ta motivation pour aller sur le canapé, voilà, c'est ça. Des fois, faut faire ça, hein. Ah mais non, mais y a un truc là, je suis bête. En plus, c'est bon. Je ne veux pas t'aider dans la chambre, ni d'ordi. D'ordi, ça m'arrive de l'emmener si je suis en pleine crise de spondylite. Ouais. Et les chaînes sont aussi un bon moyen pour se lever. Bah, c'est ça, de ouf. Je comprends l'idée de pas d'écran dans la chambre. C'est une très bonne idée. Et pour les chiens, c'est entre autres pour... Alors, encore une fois, c'est pas que pour ça que j'ai envie d'avoir un chien, mais le chien me forcera à sortir. Carité à mon frère. Mon frère est plus grand que mon père, et oui, 6 personnes. Et pour mon ami, on a dormi à 6. Incroyable, 6 personnes. Avec la carte, je pense. Ouais, bah c'est compliqué la vie hein, quand même, hein. Faut l'avouer. Hein. Et encore, mes filles me réclament pas le matin. Elles roupillent mes petites vieilles. Bah oui, bah, au moins elles ont compris, c'est bien. En train de modifier le titre de ma vidéo YouTube, de mon premier truc, mon premier let's play, parce que je vais faire donjon par donjon, donc je vais dire jusqu'au mont du péril. Ayou, tu sais qu'il y a même une émote lurk maintenant. Donc je suis très fier.
Go la douche. Tu vas à la douche? Ah bah dis donc, ça va être une journée... efficace. Tant que tu n'auras pas de jardin, si tu veux un jardin, c'est mort. Bah c'est ça le truc. Après je dis pas mon âge car j'ai moins de 13 ans, mais je suis en 6ème. Et du coup, ce qui se fait que je suis petite et mes amis aussi. Ah bah y a pas de problème hein. Pas de problème, on a quelques jeunes patounes hein. Oui, vous arrivez à rentrer à 6 parce que vous êtes jeune et petit. Ok, je comprends. Exactement ce qui m'est arrivé pendant 18 mois, ma chaîne me permettait de faire 3 marches par jour, mais maintenant il me suffit d'ouvrir la porte du garage. Au moins c'est pratique. C'est peut-être un peu dommage pour toi parce que ça t'évite de sortir, mais c'est pratique en même temps parce que ça t'évite de sortir. Ma meilleure amie souffre de ça. Elle tente de bouger un maximum. Elle a d'ailleurs pris un lagoto pour s'obliger à marcher tous les jours. C'est ça en fait. Je pense que vraiment les chiens peuvent être salutaires quoi. Non. Au contraire. Moi je suis 3. Ah tu marches 3,5 km tous les jours avec Choupi. Même si j'ai un jardin. Le jardin c'est pour les pipis du matin. Ah trop bien. Je savais pas que tu marchais autant. Mais ouais, les chiens, c'est clair que ça peut aider pour la santé d'un maître. Grosse journée. Et j'ai encore le courage après souper, je fais mes ongles. Oh, et ça prend combien de temps les ongles? Après, le dimanche, souvent, c'est journée comme ça. Hein. Et quand je vis chez elle, c'est moi qui les sors. Et en ce moment, c'est une autre de ses cops qui marche. Ok. Kilomètre et demi c'est rien, ouais, mais alors moi perso je marche pas 3,5 km par jour hein. Go retirer les mauvaises herbes qui envahissent mon île à cause du GTT. Ah oui, ça va te prendre du temps, une petite heure de marche. Oui, j'avoue. Bah chez toi 3,5 km c'est quand même quelque chose hein. Je fais mon sac et je viens de voir que j'ai fini à 16h. Ah bah trop bien. Oh GG, second VIP. Ah oui mais tu l'as déjà, mais alors du coup je fais quoi? Putain, t'as déjà gagné 50 000 patounes depuis un mois. Mais attends, mais du coup je fais quoi? Je te l'enlève, ça l'annule. Quand j'ai repris la marche toute seule, car maintenant avec la chaîne de ma mère, c'est impossible de la tenir en laisse. Ah mais oui, c'est vrai que t'as récupéré la chaîne de ta mère. Ou de un mois et demi, ça fait une fracture de fatigue au gros de pied. Oh, j'ai plus de 16 patounes. Comme je le fais moi-même. 2 à 3 heures selon la taille et la déco que je fais dessus. Attends. Donc, 2h30 de repassage. Gigot. Tu te lèves tôt. Tu fais des trucs la journée. Repassage, tu avais à faire les machines et les étendre. Plus 2 à 3 heures d'ongles et tu arrives à jouer. Mais what? J'avais même acheté un tapis de marche. Mais il prend la poussière maintenant. Faudrait que je m'y remette, mais doucement. Mais ça, je sais pas faire. De faire ça doucement? Bah ouais, c'est clair. Quand on est habitué à se donner à fond. Mets-moi une nouvelle icône. Et c'est-à-dire, je peux pas te mettre de nouvelle icône. T'entends quoi par nouvelle icône?
faut que tu crées une icône de super VIP. Mais le problème, c'est que c'est qu'on peut pas changer les icônes de VIP. Moi, j'aimerais bien. Attendez, si on pouvait changer les icônes de VIP, je vous assure que je les changerais, hein. De VIP, de tout ça. Mais on peut pas. C'est que ça. Je sens d'avoir 15 000 patounes, je suis à 1,1. Ah. Wow, vous parlez beaucoup. Au pire, offre le VIP à quelqu'un. Je connais, c'est à vous. Faut que tu crées une icône de survie. Je fais un peu de SNH pendant les lessives. Et je jouerai dans mon lit avant le dodo. Je te dis, je dors pas beaucoup. Ah oui, c'est vrai. C'est pas certes, tu peux pas attribuer une icône spéciale en plus que VIP. Je plaisante. Non, on peut pas. On peut pas. Il y a que ça. Et là, et on peut même pas le changer, l'icône diamant. Mais t'es dans nos têtes, t'es une super VIP. T'as deux VIP. J'ai à 7000 patounes, j'ai hâte. Paper est VIP ou pas? Je sais pas. Tu voudrais lui mettre? Je crois qu'elle l'est, hein. Mais elle avait pas envie d'économiser elle-même. Moi, ça me pose aucun problème, mais... Paper est VIP, ouais. Elle est VIP. On sait un tout troll. Faire des VIP plus, VIP plus, 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 grave. Ce serait trop bien. Donne Sarah. Elle va adopter mon Mathéo, elle mérite. Ah, vas-y, pas. Ça part pour Sarah. Ça. Alors, attends. Bah, bravo Sarah. Ajouter. Sarah. BTN. Voilà. GG Sarah BTN. GG le saint, je te voudrais ça, trop d'amour pour moi. Oh, t'inquiète, hein. T'es une patoune, hein. Tu as Marina comme moi, et demain Mathéo. Ah j'avoue, quand Marina passe, tu t'écartes, et quand Marina dîne, tu t'inclines, je sais plus ce que c'est. Par contre, relou, je sais plus comment on fait. GG sexy, t'as farmé, hein. Oh. Ah, c'est comme ça. Comme ça, on n'accumule de rien. Les cadeaux pleuvent, grave. C'est full patoon, power, amour et... Merci le sang. Tu t'étais encore pour être sûr que Reyna soit partie, que la parcelle soit dispo. Oui, c'est vrai. Atero d'anglais demain, ça va, j'ai révisé. Et c'est quoi, tu sais le thème? Aucun farm, juste du bon temps en votre compagnie. C'est assez adorable. Non mais je veux dire, t'as passé beaucoup de temps et t'as pas voulu farmer mais t'as bien farmé quand même quoi. Ah, elle est en train de faire ses cartons, bah parfait. C'est très bien ça. C'est une bonne nouvelle. En tout cas ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment une communauté soudée, ça fait plaisir. Attends, mais ça, c'est-à-dire qu'il faudra que je revienne ici avec le grappin. Oh, je reviens ici avec le grappin. Baisse comme il est vert. Ah bah, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein. Clairement. Parfait, alors demain, la partie est libre. Mardi, je pars en chasse. Ça fait bizarre. Tu vas chercher le gibier. Tu veux qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux en particulier?
Voilà, j'ai eu les deux en même temps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Oui, sur emploi du temps, on a d'un anglais au collège. Quoi? J'ai pas compris. Mince. Je cherche Laura. Chino. La nouvelle écureuil bleu ou un perso sur lequel je craque. Bah oui, ça peut arriver. Et pour... ok, et tu veux les avoir par toi-même? J'imagine. Ce serait bien qu'il explose devant l'autre. Tu dis pas non à un don? Ok. Et bah en vrai... Ah c'est un faux. En vrai, il y a des patounes qui ont, hein. Rien que Marie. Plus le pire, c'est que j'ai découvert Twitch il y a une semaine. Je connaissais déjà avant, mais j'y allais pas. Et j'ai tapé Animal Crossing parce que je m'ennuyais. Et j'ai découvert ton live et direct accroché. Tout le monde était super gentil depuis le fait que de regarder tes lives. Ça c'est fou, hein. Ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Merci beaucoup, Sarah. Je suis content que tu te plaises parmi nous. Parmi nous. Un don de quoi? D'habitants. Et en fait, comme elle disait les habitants qu'elle voulait, je demandais si elle voulait les faire par elle-même ou si elle voulait être aidée. Je vais faire venir Shai à la place de Mozart ou Victor. Les trois, je connais pas. Mozart, c'est une souris, non? Pour Mozzarella. Désolé, j'ai bug. Vive la campagne. Ah, ben c'est le souci, hein. Pas de problème, on t'attendait. C'est chaud. J'ai pas demandé aux gens de t'aider pour ça. Au pire, si je trouve à la fin de ma chasse, je prends étoile, j'ai la carte Sanrio. Ah oui. Non, mais moi je te disais, Marie, elle, je crois qu'elle t'aidait pas. Je crois qu'elle a d'autres manières de faire. Mozart est une souris. Elle est sympa, mais elle vit dans une salle de bain. Et quand on va la voir, on s'assoit sur les WC. Moi, je vais plus voir mes habitants. Ils m'ont saoulé. Ils m'emprisonnent pendant 5 minutes. Moi, je te veux dire, c'est Théo qui nous a envoyé sur ton live. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai Mirza. Mirza, je l'ai mets trop dans Pocket Camp. Margot, c'est la vache. C'est la meilleure des vaches, je trouve. Tonton, Marina, Pocket, Krakos, Noémie, Rouge Pif et Axel. Mais ça ressemble beaucoup à ceux de Paper. Bon, on verra. Ouais, hésite pas à demander à la mistinguette Marie. Hein. Il y en a qui intéressent, dis-moi. Essaye de le faire partir pour que tu récupères. Pas grave. Salut Achille. Comment tu vas? Perso, ça va. On est bien. Oh, pardon. Désolé. Ça fait beaucoup de bruit quand je fais ça. On dirait vraiment le modèle des Bob Omb. Mince! Des Bob Omb dans Mario 64. C'est drôle. Bien. Ok, t'as passé un bon dimanche? Mais non. Oui, une histoire de blonde. Vas-y, raconte. Dis-nous donc. Douche faite. Eh ben très bien, comme ça t'es propre. Et tu mérites de rester parmi nous. Oui, vous, bah moi ça va, j'ai regardé la traversée de McFly et Carlito. Et Arcane, et j'ai fini Arcane.
Mes filles ne m'ont même pas encore réclamé à manger. C'est bizarre, je crois que la pluie les saoule. Ah, ben y a moyen. Y a grave moyen en vrai. Faut pas oublier que c'est des individus qui... qui ont leurs états d'âme. J'ai Étoile, Marty, Christine, Nadine. Et après, je me rappelle plus. Ok, bon. Je débute le jeu, je connais pas les nouveaux persos, je lance une chasse pour remplir mon île, tranquille, sans chercher du monde en particulier. Et une suite. J'ai une preview Amazon à regarder avant demain midi. J'y pense pour recevoir le bon d'achat. C'est quoi ça? Je comprends pas, ça veut dire quoi? Non de chat. Donc voilà Tipa que j'arrive sur une île. Un perso bicolore super mimi. Mais bon, je continue. Ok. C'est actuel là? Non, c'était quand t'avais commencé. Mais je vous aime pas, vous. Qui vient? Qui vient? Hein? Oh là là. Ça va être une guerre. Et là, des semaines après, j'ai compris que c'était Laura. Ah mais oui, je me doutais. Une perso bicolore. Eh bah ouais, bah tu connaissais pas le jeu, tu pouvais rien. Ah, ils sont chiants. Lâche-moi! C'est tellement galère. Les manettes... J'ai une fée. T'avais pris une meringue à la place et tu l'aimais bien au moins. N'était pas aussi nul, je galérerais pas autant. Amazon choisit des clients pour regarder en avant-première des films ou séries et ensuite questionnaire contrepartie 6 semaines après bon d'achat de 10 ou 15 euros. Ah mais sérieux? J'aimerais trop faire ça moi. Franchement, tu me payes 10 ou 15 balles pour regarder un film, je suis chaud hein. Et c'est quoi comme film là cette fois-ci? Je te jure comment j'étais dégoûté quand j'ai réalisé. Ah bah tu m'étonnes, mais tu pouvais pas savoir au début. Après, si ça te plaisait pas de base. Si de base elle te plaisait pas de ouf. En vrai tu l'as vu, tu l'as pas pris, tu t'es dit bon bah c'est que tu l'aimais pas. C'est même pas la bonne poivre. C'est la définition même du troll. Non j'aurais pas pris, je voulais pas trop sur la CNL. Bah voilà. Je sais. Ah tu sais pas avant de regarder. Ah je pensais quand même qu'il te disait quoi faire. Quoi regarder. Ah genre t'es piégé quoi. Ça se trouve c'est un navet total quoi. Elle me pesait mais je me disais oh je vais trouver mieux. Ok je comprends. Bah c'est toujours le pari dans ce jeu. Hein.
c'est clair. Attends. En fait, non. C'était bien là-bas. Toujours le pari, hein. Dans un jeu comme Animal Crossing. Vous avez vu le pari, d'ailleurs ? Des inconnus ? J'avoue, tu lances le film et tu fais autre chose, hein. Est-ce qu'il voit si t'es devant ou quoi ? Je mange pizza maison, mais mon père a fait des champignons. Et on n'est pas copains. Ah, pas cool. J'aime bien, moi, les champignons dans les pizzas. Après, les champignons, de base, je suis pas fan. Les poêlés de champignons, j'aime bien. L'autre jour, je me suis acheté des champignons, je me suis fait une poêlée. C'était sympatoche. Mais c'est pas l'aliment que je vais manger de base, tout seul, tranquille. Ah, super, je vais me faire des champignons. Mais j'aime bien. Surtout dans les pizzas. Perso, c'est comme ça que je ferais. Ma webcam est bloquée avec un scotch. Voilà. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Merci. Merci. Ça arrive que ce soit un navet et souvent en VO, mais je regarde d'un œil dans ce cas, juste de quoi pouvoir répondre au questionnaire. Ah, mais c'est vrai, il y avait un questionnaire, genre comme à l'école, quoi. Alors, au chapitre 20, qu'avez-vous pensé à 30 minutes 42 quand tel personnage dit telle phrase La tarche aux champignons, ouais. De ouf. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que ça, Navi me parle. Cet interrupteur fait monter la plateforme jusqu'au dernier. Allez, merci. Comme si je la voyais pas à l'instant, quoi. Possible. Con. Genre les champis. Avec plaisir. Un peu si précis, questionnaire. Bon, tant mieux. Mais ça explose déjà. Mince. Ah non, c'est qu'elle s'est pris un truc en bas. Ah non, c'est que ça explose très vite. Voilà, tu vas faire quoi maintenant, hein ? Par contre, elle a explosé moins vite. Voilà. Très bien. Je vais voir ici. Ouais, non, moi ce que je kiffe trop, c'est tarte moutarde tomate. Tomate moutarde. Mais ça fait genre peut-être 10 ans que j'en ai pas mangé. Et j'en ai jamais voulu en faire. Et voilà. Mais en tout cas, faudrait que j'en fasse à l'occasion. Tomate moutarde. T'aimes pas? Je sais pas, moi, une fois que je sais plus qui et quand m'avait fait une tarte tomate moutarde, j'avais adoré. Ah. Je suis une viandarde. Ben oui, mais quoi? C'est pas une raison. C'est pas une raison de ne pas forcément aimer. Mais non, mais. J'ai jamais goûté tomate moutarde. J'aime pas du tout. Alors d'accord, mais il y a aucun rapport avec le fait que ce soit viandarde. Tu peux manger un truc où il y a pas de viande. Non, il te faut absolument de la viande, sinon tu aimes pas, c'est ça? J'adore les lasagnes, mon plat préféré, les lasagnes. Bah tu vas bien t'entendre avec pas peur.
J'aime pas les légumes en général. Ah oui, faut... En fait, j'ai faim après, ok. En fait, t'as vraiment besoin de viande, sinon tu... C'est pas bon, quoi. Ok, parce que je comprenais pas. Tu peux aimer quelque chose si c'est pas forcément de la viande. Et t'aimes pas les légumes, ok. Et si, et tomates, viande, moutarde, t'aimerais? Ils sont passés où? Mais là on est déjà au boss? On est pas déjà au boss? Foncez dessus, saloperie. Les pâtes de carbo. Trop bon. C'est vrai que c'est pas mal. J'aime la salade, les épinards, mais cru. La mâche, mais j'ai faim 2 heures après. J'adore le brocoli. Brocoli, c'est vraiment très bon, ouais. Sinon, le reste comme légumes, t'es pas fan, quoi. On n'est pas obligé de tout aimer, hein. Brocoli, ouais, brocoli c'est vraiment bon. Oh non, mais ça repop. J'ai calculé, j'ai eu 75€ de bon d'achat depuis mars 2021. Et j'ai 25€ en attente, puis j'ai 10 dessus et de regarder. Oh, mais c'est ouf. Mais pourquoi moi j'ai jamais eu, hein. J'en ai jamais eu. Et pourtant, je suis un bon client Amazon et. Etc. J'avoue que je comprends pas et je suis vexé. Je déteste l'ail, vraiment. Je supporte pas ça comme les crevettes. Les crevettes, tout ce qui est fruits de mer, je le déteste. Et l'ail, j'aime bien. Mais dans le chat, pareil, nous. Mais grave, mais comment ça se fait dans le chat que t'es tout ça? Moi, j'ai pas du tout. J'ai jamais eu, hein. En plus, je suis vraiment un bon client Amazon. Enfin, non, pas bon, mais je suis un client, quoi. Un jour, j'ai eu un mail de preview me demandant si je voulais être testeur. Allez donc. Même quand il y a des promos, genre recevez 5€ d'achat en bon machin, est-ce que vous êtes éligible? Bah, je suis jamais éligible. Mince. Ah bah. J'ai un poteau, il a un compte Amazon avec 1500€ d'achat par an. Quoi? Je ne peux pas parrainer, c'est eux qui décident. Je suis pas censé en parler trop. Oui, non, mais j'imagine que tu peux pas parrainer, hein. Moi, ça m'étonne pas. Mais c'est un truc, c'est comme ça, c'est au hasard. Mais je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. C'est pratique, c'est trop bien. Madame une VIP, c'est ça. En fait, tu connais quelqu'un qui travaille là-bas, c'est ça? On nous la fait pas à nous, hein, c'est bon. On n'est pas né de la dernière pluie, hein. En tout cas pas celle d'aujourd'hui. Mais ouais, bah écoute, tant mieux pour toi, franchement. Oh mais quelle plaie. Dire que c'est les ça qui me donne le plus de mal. Oui, ça, il passe sa vie sur le net. Il est très malade et s'approvisionne que via le net. Ah ok. Et donc il a... Mais alors du coup il a pu avoir un... Mais c'est trop bien. Ah non, d'accord, j'ai pas compris. D'accord, non, mais je croyais qu'il avait... ça me paraissait juste
ahurissant. Mais je croyais que Amazon lui mettait à disposition 1 500 €. Donc, ok, il achète 1 500 € par an et il a pas ça. Ok, oui, non, mais c'est du pur hasard, ce genre de truc, je sais bien. Hein, y a pas de. Ok. Je pense que c'est plus dû à Amazon Prime que les achats sur Amazon. Ouais, mais pareil, j'ai Amazon Prime. Hein. Mais c'est du hasard. C'est pas. Y a pas à râler de façon. Hein. Mais c'est clairement du hasard. Il achète 1 500 un truc par an, ouais c'est ça. Bon, on est arrivé au boss. Le fameux boss dont je vous parlais hier. Qui a valu un appel à mon père un samedi matin. J'étais terrorisé et je lui ai dit « Papa, s'il te plaît, reste avec moi au téléphone. » J'ai trop peur. Il est resté avec moi, franchement. C'est pas beau. Oh non, je pense que j'ai avoir des bombes. J'ai fait l'erreur. J'aurais dû exploser d'abord. Tu as appelé papa? Ouais, j'aimerais. Ce serait drôle de l'appeler. Attendez, je vais essayer de l'appeler, mais il répondra pas parce qu'à mon avis, il doit être avec. Ah bah, je prends mon téléphone et il vibre. Ça aurait été très drôle que mon père m'envoie un message. Je vais l'appeler, on va voir. Je vais essayer de l'appeler. Ça va pas durer longtemps, mais ça pourrait être très drôle. Mais à mon avis, il est avec dans le bain des enfants. Le meilleur papa du monde. Bah oui. Je laisse un message vocal au pire. Je laisse un message. Allô papa, salut, c'est moi. Je t'appelle, je te laisse rarement un message vocal, mais comme là je suis en live, je joue à Zelda, tu sais, Zelda de la 64. Et je sais pas si tu te rappelles, mais je crois que oui, parce que on en avait parlé il y a pas longtemps. Et je suis en train de faire un. Enfin, je vais aller battre un boss qui, quand j'étais petit, me faisait très très peur. Et je t'avais appelé un samedi matin parce que j'étais flippé. Et t'étais resté au téléphone avec moi alors que t'étais au travail. Et c'était trop drôle. Et j'en parle à ma communauté sur Twitch. Et je me suis dit, bon, je vais t'appeler. Ça aurait été drôle que tu répondes, mais je pense que tu dois être en train de t'occuper de la marmaille. Et du coup, ils te passent tous le bonjour. Et voilà. Donc, c'est très drôle. Voilà, petit message d'amour. Merci de m'avoir aidé quand j'étais petit à battre le boss que je vais m'apprêter à battre en j'imagine, 3 minutes, 20 ans plus tard. Voilà. Gros bisous, papa. À très vite. C'est drôle. C'est drôle. Papa, j'ai peur. C'est un message. Bonjour, papa de la part. Et 1000 messages. Le papa de se rappeler, nous. Oh, je sais pas s'il va nous rappeler. Ce serait drôle qu'il nous rappelle. Mais là, il doit être en train de s'occuper de la marmaille. Un petit frère de 10 ans et une petite soeur de 6 ans. Forcément, ça. Que c'est chou. Que c'est chou, Peter. Ah, celui-là, je vous jure, il me faisait trop flipper. Il était resté au téléphone me disant « Ça va, tu vas y arriver. » Putain, j'y crois pas. C'est beau quand même l'amour des parents. C'est tout. Moi. Puis vraiment, il est vraiment tout sauf flippant. Ah oui, c'est ok. C'est un coup par un coup, quoi. Ok, on n'est plus de bombes en plus. Ah, c'est pas ce que je voulais.
me fait rire, putain. Il doit faire la même pour ses... pour ses nouveaux enfants. Bon, mon petit frère, il a pas encore testé Zelda, mais il aime beaucoup Mario, Mario Kart, tout ça. Il a Minecraft. J'ai hésité à lui offrir Animal Crossing, mais je sais pas si... Il est pas tant jeu vidéo que ça, en vrai, donc... En plus, c'était le début des téléphones portables, on appelait pour tout et pour rien, on se faisait engueuler parce que ça coûtait une blinde. C'est vrai. Mais alors du coup, j'appelais du fixe, et je pense que je l'aurais pas fait... Fais même pas peur, et en plus il vous grand la gueule pour aller ta bombe. C'est exactement ça. Franchement, regarde, je l'ai battu en combien de temps? Je l'ai battu en 2 minutes, c'est ça? Bah quand il me rappellera, je dirai, bah écoute, je l'ai battu en 2 minutes. C'est quand même incroyable. Mais qu'est-ce qui est passé par ma tête quand j'étais petit pour se dire, genre, je vois le monstre, il me fait peur à l'écran, je le découvre à l'écran. Il me fait peur et du coup je me dis, attends, je vais appeler papa. J'ai appelé le mâle dominant, quoi. Je viens de tester la relativité. Ah non, mais c'est assez fou, la vie et son lot de surprises. Ma maman, elle comprenait pas pourquoi je parlais d'ACNH. Je suis parti en vacances chez elle, je jouais, je lui ai filé ma console pour qu'elle visite mon île. Depuis, quand elle me telle, elle me demande, alors tu as fait quoi sur ton île? J'ai dit à mon beau-père, go lui acheter une Switch. Ah, mais trop drôle. Mais c'est ça, hein, souvent. Moi, je vous ai déjà raconté, hein, c'est grâce à une limace de base que j'ai découvert Zelda et que je suis là ce soir avec vous. L'effet papillon, c'est fou. Et c'est aussi grâce à mon père qui a vu du coup que je jouais à Zelda et qui m'a dit, attends, mais tu l'auras à Noël. Elle a 72 ans, trop drôle. Et du coup, elle jouait à la Switch, à ACNH. Mais j'étais petite, j'avais peur aussi. Bah je comprends, mais du coup c'est quoi? C'est genre je lance le boss, déjà après toute la caverne et tout, une aventure incroyable, je suis chaud et tout, là je tombe devant le boss, je me dis oh putain il me fait trop peur, j'appelle papa. C'est fou, c'est trop drôle. Je me demande à quel âge j'avais, quoi. Je vérifie et je le mets là mon téléphone au cas où il m'appelle, ce serait drôle. C'est moi Daruna. Bien joué petit, chapeau. Grâce à toi, nous pouvons manger les délicieuses pierres de la caverne d'Odongo jusqu'à explosion ventrale. Tu les mets à la Switch sur la TV, c'est bien mieux pour nos yeux vieillissants. Ah bah oui. Bah non, elle joue pas car elle dit que ça la fatigue trop les yeux. Mais je pense surtout qu'elle deviendra accro et elle veut pas. Ah ouais, c'est ça. Moi j'ai fait découvrir les séries à ma mère, elle a beaucoup réduit mais elle en regardait beaucoup à un moment. Et c'était l'époque des DVD, on achetait des saisons en DVD avec Desperate Housewives et tout. Grâce à toi, nous pouvons manger les délicieuses pierres de la caverne d'Odongo jusqu'à explosion ventrale. Ah, dis donc, quelle histoire. Et dire que l'on croyait les Dodongo disparus depuis... bien des lunes. Toute cette affaire est étrange. Et puis ce rocher à l'entrée de la caverne. À mon avis, Ganondorf est le responsable de tout ce tintouin. Donne-moi la pierre ancestrale et j'ouvrirai la caverne, qu'il a dit. Quel sale type. Par contre, toi, tu n'as pas hésité à risquer ta vie pour nous. Merci. Petit, je t'aime bien. Pourquoi qu'on ne deviendrait pas des frères de sang ? Pas besoin de cérémonie. Accepte ce cadeau en témoignage de notre amitié. Le rubis Goron. Il y a de la résistance, ouais, je peux comprendre. Est-ce que vous vous laissez souvent des messages vocaux à vos parents ou pas? Parce que moi, en général, je les appelle, s'ils répondent pas, ils me rappellent après ou quoi. Mais sinon, je mets un SMS. Mais le message vocal, je laisse pas de message vocal. Ça m'arrive très rarement de leur laisser des vocaux sur WhatsApp ou quoi, mais c'est plus je préfère parler de vive voix en direct ou par SMS, quoi. Je laisse toujours un message vocal, ok. Non, moi je laisse pas de message vocal.
je préfère, en fait, les messages vocaux, j'ai du mal parce que c'est pas du direct, je préfère parler en direct. Parce qu'après, dans ces cas-là, il va avoir mon message, mais si je lui explique plein de trucs, il va me rappeler ou alors il va me laisser un autre message et puis ça va être par message, tu vois. Et c'est, j'ai du mal. Je préfère que ce soit un échange et non pas. J'avais une amie, on parlait beaucoup par un vocaux, mais c'était genre, elle me disait plein de trucs, je lui disais plein de trucs, elle me disait plein de trucs, je lui disais plein de trucs. Bon, ça plaît aussi, mais. Ouais, je préfère en direct, quoi. Après, j'ai aucun mal à laisser de message, mais je préfère, c'est tout. Vous recevez le rubis Goron. Cette pierre ancestrale du feu vous est confiée par les Gorons. Vous ne savez pas ce que frère de sang veut dire, mais vous avez désormais deux pierres ancestrales. Plus qu'une à trouver. Frère. Tu vas vite devenir une montagne de mus si tu continues comme ça. Je te conseille d'aller voir la grande fée au sommet du mont du péril. Elle a un cadeau pour toi. Hé les gars, venez tous faire un gros câlinou à notre frère. T'as fini ton dessin? Ah, trop bien. T'as dessiné quoi alors? On n'est pas de la même génération. Oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Avec mes enfants, ça, ce ne sont que des messages SMS ou Messenger. Moi, je parle par tous les biais à mes parents, vraiment. Mais juste, si je veux parler à l'oral, je préfère parler en direct. Je trouve, personnellement, que c'est une perte de temps de laisser un message vocal, parce que de toute façon, il y aura de la redite quand la personne te rappellera. Donc, genre, ah, t'as écouté mon message? Oui, ah bah tu vois, je te disais que. Bah oui, mais tu me l'as déjà dit, tu vois. Mais là, j'ai mis un message vocal parce que c'était drôle en direct, quoi. Jamais non plus. Mais comme dans le chat avec mon fils, c'est écrit. Mon téléphone a tendance à ne pas m'avertir si j'ai un message vocal, donc je me méfie. Mais il y a ça aussi. Il y a ça aussi. C'est que là, ça se trouve, mon père, il va pas l'avoir, le message. Salut Evie, comment tu vas? Cool. Ouais, on a testé, on a commencé hier. Les enfants, avec leurs horaires de boulot, ils préfèrent envoyer un message. Ils m'appellent quand ils sont dispo et s'ils ont envie. C'est ça, voilà. Moi, je suis très. Je parle beaucoup à mes parents. Tous les jours je leur parle quasiment, que ce soit par message ou par coup de fil. Tellement ça y répondra à moi. Ah ouais, bah voilà, bah moi je suis quelqu'un. Mon frère, c'est très dur de le contacter, etc. Que ce soit moi, mes parents ou quoi. Mais c'est vrai que moi je parle beaucoup à mes parents. Un chat dans une tasse et mon perso dans la CNH. Trop bien. T'as dessiné vite. Tu dessines sur. Feuille ou. Mais. Très fatigué, toujours à l'hôpital, pas d'amélioration. Désolé de. D'apprendre ça. T'as pu regarder Arcane? Pour le coup, j'ai fini Arcane, moi. Yes, super. Ouais, la lune, elle à l'inverse de la lune de Majora's Mask, elle monte vite, hein. Mais putain, mais c'est une galère, ces trucs. Alors, que penses-tu de la qualité du jeu avec le online? Écoute, en vrai, moi, c'est très bien, hein. J'ai aucun souci, hein. Juste avec ces putains de bombes, mais. En vrai, je vois aucun problème. On n'a pas eu. C'était quoi le. Parce que je sais que tu voulais savoir, mais c'était quoi ce qui te faisait peur? C'était le fait qu'il y ait des ralentissements ou quoi? Nous, moi, j'ai l'impression que c'est un jeu normal. Avez-vous, punaise, gros câlin, plein d'amour. Mais oui, mais quel enfer, vraiment. Tous les jours, on pense à toi, on espère que tu nous dises, ça y est, je suis sorti, quoi. Ma grande m'appelle toutes les semaines, on est souvent plus d'une heure au téléphone. Les gars, quand ils ont besoin, ou si ça fait très longtemps. Ouais, c'est plus féminin. Après, moi, c'est vrai que je suis un peu différent, pour le coup. C'est pas très grave, mais. Mais ouais, j'ai tendance à beaucoup parler. Je parle beaucoup avec mes parents aussi. Bah voilà, tu vois. On n'est pas que des jeunes ingrats. C'est un truc de mec, je passe souvent des heures au thé avec ma mère. Mes fils, c'est genre coucou, au fait j'ai besoin de ça. Ah ouais, non, moi pas du tout.
Bah là sur feuille, mais j'ai une tablette graphique qui était à mon frère car il fait du design graphique et il a une nouvelle tablette. Ah bah génial. Genre, la bouffe est si bonne que tu ne veux plus partir autant en rire. Oui, c'est ça en fait. C'est que ils ont réussi à trouver quelque chose pour te garder. Et alors du coup, Evie, est-ce que t'as pu regarder Arcane? C'est vraiment très très bien quand même cette série. Objectivement, celle que je viens de me prendre, elle me suivait. L'ombre me suivait, donc je vois pas comment j'aurais pu faire. Dans les extraits que j'avais vus, il y avait un exemple. Suppression de flou qui entoure l'arrivée de l'ennemi et une qualité graphique moins bonne que la version originale. Mais si tu vois pas la différence, c'est tant mieux. Alors après, je me rappelle pas de exactement de la version originale. Par contre, je te confirme que le jeu est moche. Mais ça a beau être mon jeu préféré ever, je me répète à chaque fois. Mais non, mais ça m'énerve aussi. C'est les commandes. Pour le coup, le jeu est mal fait. Il est moche. Mais le jeu a 22 ans, bientôt 23. Donc c'est compréhensible. Et il y a encore The Hotel, bah c'est ça. C'est ça. Pas encore regardé les trois derniers épisodes, j'ai dormi tout le week-end, mince. Bon bah tu vas adorer, tu me diras. Tu me diras quand t'auras fini. Écoute, si tu dors, c'est que ton corps en a besoin. Mais on pense bien à toi et on espère que tu t'en sortes rapidement. Je suis dingue, mon PC gaming est en panne. Ah mince. Le gameplay est pas au petit. Ouais, le gameplay c'est chaud, hein. C'est quelque chose. Hein. Puis la grande là, c'est message écrit car elle m'envoie des photos de la nouvelle pépette. Ah bah oui, bah forcément. Les messages écrits, les WhatsApp et tout, ça aide. Bravo, tu es parvenu jusqu'ici, sans trop de problèmes, Link. Te voici au sommet du péril. On raconte que les nuages autour du pic reflètent la santé de la montagne. S'ils sont blancs, le mont est en paix. Escalader cette montagne est bien la preuve de ton courage. Mais sauras-tu faire une sage décision ? La grande fée demeure au sommet. Va donc la voir et elle te remettra un nouveau pouvoir. Je vais attendre ton retour. N'hésite pas à me demander de te faire descendre de la montagne. À plus tard. Ah oui, c'est vrai. Il va nous faire descendre jusqu'à Cocorico. Merci pour le soutien. C'est normal, hydrate-toi. Allez, à la vôtre, les patounes. C'est vrai que WhatsApp c'est trop pratique. Mon père, ma belle-mère, ils m'envoient souvent des photos de petits frères et sœurs. Et puis avec ma mère, pareil, on s'envoie des photos des chats, etc. De tout, de rien. Vite le jour où Evie nous dira je vais mieux, je suis sorti. Non mais clairement. Ouais bah grosse dédicace à Evie, hein. On va la prendre là et puis on va repartir. On n'a pas la tenue. Mais t'as hâte de quoi, de sortir ou de regarder les épisodes de Arcane? Je pense les deux. Et du coup, bah, je te souhaite de pouvoir avoir gain de cause au plus vite. Mais ouais, vraiment, j'ai adoré Arcane. C'est vraiment, pour moi, c'est un sans faute. Hein. Il est incroyable, tout est bon. La DA, la musique, la réalisation, l'histoire, les persos, tout est vraiment trop trop bon.
Ouais, plein de courage, Evie. Plein de courage. Ça commence à être long, là. D'ailleurs, à propos de mon père, il adorait ce morceau. Et il nous le jouait souvent. Parce qu'en fait, bah, il joue ce qu'il veut, quand il veut. Et du coup, il nous le jouait souvent. J'étais allé voir le concert symphonique de Zelda à Paris. Incroyable. Incroyable. Bienvenue Link, je suis la divine fée de la force. Je vais t'enseigner une nouvelle technique d'attaque. Qu'il en soit ainsi. Ça va être le feu de daim. Ou une chérie, au moins qui te rendent visite ou des parents. Oui, bah oui. Merci pour tes lives, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup pour ton deuxième sub. Enfin, les patounes qui sub le deuxième mois, ça me touche encore plus. C'est logique, mais ça prouve que vous êtes que ça vous plaît. Donc vous confirmez votre attrait pour notre univers. Merci beaucoup pour le sub. Merci infiniment. Et force à toi. Ça me fait vraiment plaisir que ça puisse vous distraire et vous changer un peu les idées. Evie, quand tu nous dis que ça te fait du bien, ça me fait super plaisir. Hey, mon garçon, tu as un message de la famille royale, n'est-ce pas? Si tu retournes au château, va rendre visite à l'une de mes amies vivant dans le coin. Ah mais oui, c'est vrai. Elle se fera une joie de te donner un petit quelque chose. Bah oui, maintenant, elle est bombe. Ma petite sœur vient souvent, mais elle travaille dans la semaine. Ah mais oui, c'est vrai, c'est toi dont ta sœur, dont la sœur vit en face de chez toi. Mon père est paralysé et ne peut pas quitter son lit, et ma mère, c'est compliqué. Et des amis viennent me voir aussi le week-end. Bon. Et c'est déjà ça. Est-ce que tu as des animaux? Si bah t'es un jour, t'es plus de la pédale. Ah bah on aimerait bien que Dain soit là pour toi. Si les batailles un jour t'épuisent, je penserai tes blessures. Si je pouvais te dire ça. Là, ils sont venus, mais je dormais. Ah oui, du coup, ils n'ont pas voulu te réveiller. Ah, attends, il y a une... Ah oui, je crois qu'il faut... Ah non, mais c'est les méchants. Ok. Je croyais que c'était une... Île-de-France. Ah, t'es en Île-de-France. J'espère qu'Obi va bien aussi. Je pense qu'Obi va bien. Je pense qu'il vient pas parce qu'il joue. Après, peut-être qu'il a plus envie de venir. Hein. Mais je crois vraiment qu'il est full... Il est en vacances. Donc peut-être que lundi, il repassera. Ah mais non, mais normalement, il avait qu'une semaine de vacances. Bah, je sais pas. Mais si tu te sens seul, n'hésite pas à venir parler via le Didi. Je bosse la journée, mais je peux trouver des créneaux pour répondre. Et je suis plus. Non, non, mais c'est clair. Evie, n'hésite pas si t'as besoin de parler. Hein. Je viens de mourir le doigt. Ah bah, comment t'as fait? Avec la feuille? Tac, moi sur Didi aussi, je suis dispo sans souci. À faire dans la... chez les gourons. Pourquoi il fait ça? C'est vraiment pour se faire kiffer. Hein. Puis pour montrer le joli décor.
Attends, mais tu rigoles. C'est normal, Evie. Vraiment, chaque jour, je crains de te demander comment ça va et que tu nous répondes encore. Eh ben, je suis encore à l'hôpital. Ma pauvre. J'espère que ça va vite, vite changer comme situation. Je sais pas avec quoi, mais entre l'ongle et la peau. Ouf, c'est pas facile ça. Machine à oxygène depuis 5 ans. Oh. Putain, ma pauvre. Moi, ce qui me chagrine, c'est que t'as l'air de me dire qu'il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Non, non, elle est... Ah non, oui, c'est vrai, il faut le grappin maintenant. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? On peut grimper? Tant mieux, mais trop bizarre. Il y a eu un bug, là. Les sons, surtout qu'en général, ils te virent rapidement à l'hosto. Tiens, un capot. Dr. House. Une grosse peut te virer tout. Tu as bon. J'espère que malgré tout t'arrives à tenir le coup. En tout cas, j'espère qu'ils vont vite trouver une solution. On espère vraiment tous. Hein. On espère tous que t'aies au moins la force de pouvoir te divertir là si tu restes encore un peu, que ce soit avec la Switch ou en lisant ou en regardant un truc. Non mais lâche-moi! Je reviens, pas de soucis, Sarah. Je mange super pita aux champignons. Au pire, tu vires les champignons, tu les donnes à ton frère ou ta sœur, si t'en as. Vous m'avez dit au début qu'il me garderait que 2-3 jours, surtout que j'ai la machine à oxygène chez moi, et surtout en cette période Covid, mais il n'arrive pas à me stabiliser, donc je dois rester. Oh, putain, pauvre. Ça veut au moins dire que t'as une équipe compétente, c'est clair. Vu comme ça, c'est clair. Bon, en tout cas, on est tout cœur avec toi. Et si on peut te changer les idées, eh ben, on prend. Mais j'aimerais que ça s'améliore. Tu m'étonnes. J'avoue qu'une bonne petite pizza là, je serais pas contre. Je sais pas ce que j'ai mangé ce soir. Vu que je me dis, je me suis fait des burritos. Ah bah, tu m'as donné envie hier, Serenity. Je me suis fait des burritos vegan là ce midi. Et du coup. Ça servait à rien. Du coup, j'ai bien mangé, donc j'ai peut-être mangé, je sais pas, des carottes râpées, quoi. J'y vais les patounes à demain. Salut Achille, à très vite. Ah ouais, une bonne grosse pizza là, ça ferait du bien. Ouais, donc ce que je voulais, c'était revenir ici. Mais le truc, c'est que j'ai plus de bombes, évidemment. Tum, tum.
Putain, pire pour les repas, grave. J'ai récupéré mon PC, je regarde le live sur PC maintenant, mais ça me fatigue d'utiliser pareil pour la Switch. Ah, je comprends. Mais ça fatigue un petit peu moins que la Switch, j'imagine. Malgré tout. Question ultra bête, vos pizzas vegan, c'est du faux fromage? Ouais. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Soit les industriels, soit les faits maison, tu prends du faux fromage, ouais. Merde, tu connais Camélie depuis petite. Je vais tomber dessus adulte si tu ne veux pas répondre, Dieu, franchement, c'est pas grave. Mais parfois, quand on va. Moi, par exemple, j'ai une pizzeria à côté de chez moi. Et juste à côté, ça me fout les boules de pas pouvoir manger. Du coup, je prends la végétarienne et je demande sans fromage. Comme ça, je suis bien. C'est frustrant un peu, j'avoue. Le fromage, c'est ce qui manque vraiment. Mais bon, c'est la vie, hein. J'ai été diagnostiqué il y a 8 ans, mais je l'ai depuis la naissance. Putain. Et de là jusqu'à tes 8 ans... Non, de tes 8 ans jusqu'à maintenant, tu t'en es sorti? Obi va bien et madame aussi, mais il bosse blindé. Oui, Voulou. Ah, il t'a dit? Bon, bah écoute, bon courage à lui. Jamais de bête question. Non, non, jamais. Oui, c'est un choix comme les vaccins, tu assumes. Oui, oui, c'est clair. C'est clair. Ou pas de fromage ou une sauce type crème de soja avec levure maltée et une pointe de citron. Alors, là, c'est la cuisinière qui parle. Le flemmard de 30 ans. Il te dira j'achète une pizza industrielle vegan. À Naturalia, t'en as. Mais après, après oui, oui, clairement, t'as raison. Je sais pas si je me prends pas un peu trop la tête. En vrai. C'est juste à... Ah, je me prends trop la tête. Tout, je vais pas y arriver du coup. Je voulais absolument faire ça, mais... Ouais, bon, ok. On va aller là. Allez. Oh oui. Je sais même plus ce que ça fait. Ah, ça va me donner des rubis et des cœurs, si c'est ça. Juste des bombes. Bon, au moins, j'ai plus de bombes. Voilà, j'en ai gagné. Oui, j'étais aux news sur le Didi, ainsi on ne s'inquiète plus. Bah, t'as raison, merci, ouais, il t'a répondu vite. Bon, bah, trop bien. Après, faut pas lui mettre la pression, hein. Mais oui, c'est vrai que ça fait quelques temps, on se demandait. Violef qu'on arrive à trouver en grande surface. Violef, c'est incroyable. Un échelon dans ma cambrousse. Fait du fromage vegan qui fond, c'est une sacrée révolution. Ah non, mais c'est clair. S'il est encore sur le Didi, c'est qu'il reviendra. Oh oui, pas de problème. Fini de souper, pas trop de retard au final après ma grosse journée. Ah, t'as encore les ongles, là. Fais gaffe, hein. On a dit qu'on allait où? On a dit qu'on allait au château d'Hyrule. Et après, on va se faire un peu de Animal Crossing. C'est bien, on se fait des petits lives de 3 heures de Zelda, ça me va. On fait un temple à chaque fois. Enfin, un donjon. Je me doutais, mais bon, vu que je m'y connais pas grand chose, je voulais confirmer. Non, mais t'as raison. Mais ouais, il y a de plus en plus d'alternatives véganes, surtout avec les fromages et tout, c'est trop bien.
Mais il y a des fromages qui sont, il faut l'avouer, pas foufou. Des fromages qui sont pas foufou. Après, il y en a qui sont vraiment bons. Mais on s'y retrouve, quoi. Puis c'est vrai qu'en région parisienne, on trouve facilement des... Tu vois, par exemple, j'ai juste allé chez Monoprix et j'ai les Beyond Meat, les steaks, les fausses nuggets, les fausses aiguillettes de poulet, la fausse viande hachée, tout ça. Fromage, c'est encore un peu dur à trouver un peu partout, mais ça, c'est un détail, donc c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, mais ça dure 2h30. La dernière fois que j'étais manger au resto avec ma tante, j'ai pris une végétarienne sans fromage et je leur ai demandé si j'apportais mon vieux life. Ils seraient d'accord pour en mettre et ils m'ont répondu oui, super. Oh, trop bien! Oui, parce que des fois, faut demander, ouais. Mais trop cool. C'est bien de leur part d'être ouvert d'esprit comme ça. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de dire ok, je peux ramener et ils sont d'accord. Non, allez. C'est bon, je l'ai eu. C'est cool de revoir ce jeu. J'ai joué sur DS. Mais j'ai pas retouché depuis sa date. 3DS. Ouais, ouais, grave. Mais la version 3DS était bien mieux. La version 3DS est jolie. Elle est belle. La version Ocarina of Time 64. Mais ouais, ça fait trop plaisir de voir ce jeu. On est d'accord. C'est vraiment un jeu incroyable. Mais je me disais ça surtout par rapport au quoi que je faisais plus tard. Oui, c'est vrai, il est 19h30, tu viens de finir. Tu files le mauvais coton. Hein. Vraiment, reprends-toi en main, Sérénité. Oui, 3DS, je confonds car je joue aussi à des jeux. Bah oui, c'est vrai, tu nous as dit pour Pokémon. Un resto, je note bien si je peux amener un bus et qu'il lui donne à boire sans que je demande. Bah, t'as bien raison. Bah attends, mais là, ça veut dire que je vais avoir deux pouvoirs en l'espace de pas beaucoup de temps. Tant mieux. Des restos qui sont ouverts d'esprit, moi je pareil. Hein. Et quand quelqu'un est gentil et serviable, etc., moi à chaque fois je lui dis. Hein, parce qu'il y a des gens tellement peu serviables, tellement peu agréables. Donc en fait, faut le noter quand ils sont. Un resto qui dit. Non, pas de toutou, mais elle aura pas mes sous-sous. Pas de toutou, pas de sous-sous. Ah oui, mais ça, c'est les grandes fées, comme dans Hyrule Warriors. C'est giga-titre, quoi. Elles sont ultra-titres, ces fées. J'aime trop ce gif. Bienvenue, Link. Je suis la divine fée des enchantements. Je t'offre un sortilège. Utilise-le avec soin. Ça, c'est pas 22h23, c'est vrai. C'est vrai qu'il est que 19h30. Ok, donc j'ai déjà ça. Feu de daim. Mais attends, mais qu'est-ce qu'elle m'avait donné l'autre? Elle m'avait donné quoi? Consumera tes ennemis et certains obstacles. Non, Evibou, Sanity ne dîne pas à 18h, elle soupe à 18h, elle dîne à midi. C'est important. C'est vrai que mon mari, on dit toujours si c'est bien ou pas bien, c'est notre philosophie de vie. Comme dit mon mari, si personne ne leur dit, ça va pas. Mais ils peuvent pas progresser. Ah, c'est clair, des fois, faut mettre les gens face à leur cas de vérité. Hein. C'est comme les livreurs, je mets toujours un commentaire quand ils sont pros. Les deux derniers cette semaine, des pros de chez pros. J'apprécie, je le note sur les questionnaires qu'on nous envoie après. Mais exactement pareil. Et pareil quand j'appelle des gens en service client ou quoi. Je suis exactement pareil. Ça va, c'est bon. Il y a trop de gens pas cool. Ah. Bon bah voilà. Je fais une super pizza aux champignons. Alors t'as apprécié ?
Bon bah parfait. Par contre je vois pas ce qu'elle m'a donné avant la fée. Mais bon. Bon, bah les patounes, on va lancer Animal Crossing. Comme d'hab, je vais arrêter le live et reprendre dans une minute pour faire la séparation. Mivor, ils nous connaissent tellement bien que parfois ils me livrent chez ma copine. Ah bah, t'as de la chance, hein. Moi, mes livreurs, ils me connaissent bien et à chaque fois, ils font des erreurs. Tu es moins pointilleuse que Serre. Bah non, au contraire. Au contraire. C'est rarement les mêmes. Bah c'est ça, moi c'est jamais les mêmes en région parisienne et ils ont. Et à chaque fois ils mettent chez les voisins, chez les trucs, chez machin, ils me livrent pas mes colis. Toujours pas les champignons. Bon, les patounes, je vous reprends dans 2 minutes. Je vais faire pipi et lancer Animal Crossing, ok? Ça vous va? On fait ça? On se dit à tout de suite? À tout de suite.